J'ai trouvé tu sais, des petits mystères cachés sur les avant-postes. Ah, alors attends, parce que. Alors attends, J'en ne ai bouge trouvé un pas, là. j'arrive. Ça charge, mais j'arrive. Alors, est-ce que, ça dépend de quelle île on est, peut-être que je l'ai déjà fait. Belle île en mer, Marie Galante, Seymour Saint-Vincent. Alors, rejoindre, oui. J'arrive, j'arrive. Moi, c'est toujours un peu plus long sur Xbox. Franchement, c'est génial. Alex, tu l'as fait Octopath Traveler? Pas en entier, je l'ai commencé. Pas allé loin? Je sais plus où j'en suis. Mais c'est quoi ce jeu là? Vous jouez tous là? Je l'ai acheté quand il est sorti sur Switch. Okay. Donc ça fait un moment. Mais toi aussi, tu l'as sur Switch, Flo? Non, non, moi je l'ai craqué. J'étais vilain. Je l'ai acheté, j'ai un collector en fait, et il est trop beau le collector, c'est une sorte de livre. Ok. Trop bien. Non mais les mais graphismes du coup, c'est ils quoi sont le jeu trop là? beaux. Ben, c'est un jeu où tu t'incarnes plein de personnages. C'est un RPG. C'est en solo? Ouais. C'est du solo? Ouais, jeu solo. Ouais. Ah, c'est bien ça. C'est très très sympa. Hein. Mais c'est que sur Switch? Non, Switch, PC, PS4, PC, je peux mettre sur Xbox aussi. Ah ouais, il est sur Xbox? Peut-être, je suis pas sûr. Ok. Non, parce que là, je vois que Momo aussi, tout à l'heure, il s'est lancé dans ça. Ah ouais? Octopath Traveler? Non, c'est pas ça qu'il disait? Momo, mais quand Non, il je a parlé, confonds. Momo? S'il a pas parlé, Momo, c'est Flo qui C'était parlait. moi. Ah, c'est Flo? Oh putain, je vais pas. Tout à l'heure, j'ai juste vu quelqu'un qui en parlait, et après, du coup, j'ai pas fait Non, attention de qui c'était parle. Momo, c'est. Enfin, c'était Ah, c'est Mozorg Flo. qui parlait, pas Momori. Non, mais j'étais. En fait, j'étais sur le téléphone, donc en même temps, Ah. je Non, parlais. mais du coup, Oui? c'est Flo qui parlait. Au-dessus. Attends, je remonte. Ah ouais, t'as raison, c'est Flo. Momo, il n'a pas C'est la parlé Gameplay. aujourd'hui. Je crois qu'il travaille ce soir. Non, oui, il travaille mercredi, lui. Je sais plus. Oui, mercredi, il Je crois travaille, qu'il Flo. travaille. Momo. Oui, s'il te plaît. C'est quoi Alors, que t'as il est où, trouvé Alex? alors, Alex? Ben, Ils ont j'attends que le fait une booking. déco de Noël. Hein? Ils ont fait la déco de Noël. La Oh, déco de Noël. c'est Quelle déco de mignon. Noël? Ils Ah ont fait oui! une déco de Oh! Ah oui, ils ont mis Noël. des. Ils ont mis, enfin, ils ont mis des fleurs. Des Ils ont feuilles. mis des fleurs. Des feuilles, des feuilles. Là, Mais où? ben là, en face de nous. Pourquoi j'ai autant de quêtes déjà sur moi là? Merci ma chérie. Là, ils en ont mis Et ici merci. aussi. Ouais, ils ont mis des guirlandes de feuilles. C'est. Ah ouais, c'est beau. Ah non, il y a des. Ah, il y a des chaussures de Noël sur la Oui, cheminée. des chaussures de Noël, c'est beau. Et là, il y a marqué quoi? Ah, ben il faut lire ce qui est marqué ici. À côté de la cheminée. Tu l'as lu toi, Loïc? Est-ce que celui-là, je l'avais fait? Il s'est rien passé, donc Donc tu je veux le l'avais faire. fait. Et c'est ça que je Ouais. te disais, Loïc, que j'ai trouvé tout à l'heure. Alors, attends, t'es où? Alors, il faut sortir. Ouais. Et parler à la chope sur la table. Enfin, examiner la chope. Et j'ai rien, donc c'est déjà fait. T'es un champion. Bah ouais, bah tu sais, à chaque fois qu'on arrive sur des nouveaux avant-postes, souvent je fouille tout, moi. Ah, mais si, celle-là, je crois que j'ai déjà. Ouais, je crois que j'ai déjà fouillé. Je crois que je l'avais déjà faite, celle-là. Je D'accord. me dis quelque chose. Oh putain, en plus, je la supporte pas, cette île. Pourquoi? Elle est Elle est toujours. Bah, gentille. parce que le bateau, il est sous. Parce que souvent, le bateau, il est super loin, quoi. Ouais, celle-là, je l'avais déjà faite. Les shops, ça me parle.
Bon, bon, on va se stuffer, remplir le bateau. D'ailleurs, Loïc, bonsoir le live. Hein. Bonsoir le live. qu'est-ce qu'on peut aussi, faire? Tu vois, Alex, là, il y a un squelette où je suis et il faut l'examiner. Alors, vu que moi, j'ai rien eu, je pense que vous aussi, peut-être. Mais... Ah, ben moi, j'ai jamais beaucoup examiné. Alors, attends, je jette ce que j'ai sur moi dans le bateau. Oh, ma momo, elle est trop gentille. Hop. Et je viens voir ton squelette là que tu me dis. Ben moi j'ai rien eu. Alors est-ce qu'il y avait quelque chose, est-ce qu'il y a quelque chose à avoir ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas. Alors il est où ton squelette? Quoi? Il est où ton squelette? Là où il y a la tour d'eau, là où il y a le château d'eau, il est en bas. Alors où est-ce que c'est ton château d'eau? Il y a un 3-mâts qui nous arrive droit dessus. Ah derrière, de l'autre côté là. Ah ouais, je le vois. Et vu comment il est stuffé, je pense que ça peut. On peut rencontrer des mecs un peu vénères. Alors on s'en fout, on commence la partie. Mais... Alors le château. En tout cas, moi j'ai un magnifique crochet. Il est où ton squelette? Les mecs ils ont l'air chaud de night. Quoi? Il est où ton squelette? Il y a le château d'eau. Château d'eau. Ah, par terre. Ah ouais, mais je l'avais pas. Bah moi je l'avais déjà fait. Ouais, ils arrivent grand dessus. Bonsoir. Je vais essayer de leur parler, je vais faire un discours. Bonsoir. Vas-y. Comment tu fais pour parler? Moi j'ai mis Alt gauche en touche pour parler. Bonsoir. Eh oh. Ouais, c'est bon, ça marche. Bonsoir. C'est rigolo parce que du coup je t'entends. Il nous harponne. Bonsoir. Alors, comme j'ai le son du jeu qui est super bas, donc si ça se trouve ils me répondent, mais je peux pas. Bah ils te répondent à coup de boulot de camion. Bonsoir, excusez-moi. S'il vous plaît. Hello. Hey. Bonsoir, je suis un... Je travaille sur ce navire que vous êtes en train de couler. Oui, bonsoir, Monsieur Zetoué. Bonsoir, ayez pitié, bonsoir. S'il vous plaît. Ah. Ayez pitié, je vous en supplie. Je vais essayer de parler à quelqu'un d'autre. Ah. Vilain. Bonsoir, monsieur. Vilain. Hello, mister. It's my boat. It's my first time. Ah, oh, sorry. Je crois que vous m'avez tué. Vous avez sûrement pas fait exprès. On vient de contenter le bateau. Ah, j'ai eu un succès parce que j'ai bu un grog devant un mec. Sérieux? Il y a une 3 mâts qui arrive qui nous a violé. Voilà. Attends, moi aussi je peux boire un grog devant un mec. Ah, je me suis mis devant le mec, j'ai bu un coup et du coup je l'ai salué et ça, du coup ça. Allez, le mec. Et du coup ça m'a débloqué un succès, boire un grog avec un équipage adverse. Même si eux ils boivent pas. Et en plus je vivais sur le cadavre de Flo. C'est une grosse merde. Bon, du coup ils vont être deck parce que comme on vient à peine d'arriver, bah, le bateau il est vide. Comment Ah ouais, là il pouvait pas être plus vide. Bah y avait 10 planches. Ah, mais il a déjà coulé le bateau, il a respawn et tout. Ah oui, ah non, mais quand vous êtes morts tous les deux, que vous avez disparu, le bateau il était plus là. Et du coup, on a pari à un autre endroit ou pas? Oui. Ah oui, heureusement pour nous, parce que sinon. D'ailleurs, Flo, sache que tu vois, par exemple, bon là ça va qu'ils viennent à peine de nous attaquer, mais par exemple, tu vois, si ce groupe de pirates, on vient les recroiser et au bout de 4 fois ils nous ont gonflé, tu peux faire dans le bateau, quand tu meurs, dans le bateau des damnés, tu peux dire changer de serveur. D'accord. Parce que tu sais, des fois ça peut arriver que tu tombes sur des rageux et que les mecs ils te cassent les couilles pendant une heure. Quoi. Et du coup, tu peux changer de serveur quand t'es sur le bateau des damnés. Wow! Ok. Ah, j'ai couillé. Le mec il a tiré en mode random quand j'arrive quoi. J'étais là, ouais. Ouais, j'ai failli te faire un shot. Mais le prends pas pour toi l'ami. Ça craint pas. Alors attends, des fois il y a des coffres. Une fois ici j'avais trouvé un coffre.
J'avais trouvé un coffre caché. C'est un cachet. Bah là, il y a un coffre, une caisse. Où je suis. Voilà. Non, prends, prends. Putain, mais. Et n'empêche que, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit, oh, il y a un Katma qui arrive, on va se faire violer. Bah oui, bah forcément. D'un autre côté, les mecs, ils arrivent. Putain, mais du coup, on est super loin de comparer à l'île d'où on était tout à l'heure. Ouais, c'est bah après, comme on n'a pas vraiment d'objectif encore, on n'a pas déterminé, non, donc non, on est. On pas commencé, non. Voilà, on n'est pas trop loin de. Alors, fais attention. Ouais, fais attention, ça explose, non, ça. Hein. Des barils de poudre, il y en a de partout sur l'île. J'en ai trouvé un, moi aussi. Ça se vend bien d'ailleurs. Ah ouais? Oui. On le met sur le bateau? Alors, si tu le mets sur le bateau, tu le mets tout en haut du mât. Ouais. Parce que s'il vient à péter, ça te coule le bateau instant, quoi. Et ça peut être une bonne chose si on se fait attaquer, tu sautes sur le bateau adverse avec ça et tu le fais péter. Oh. Le mieux, c'est de le faire péter dans la cale, mais. On n'avait pas récupéré des quêtes juste avant. Hein. Au début de la partie, là? Il y en a un deuxième ici. Bah attends, j'arrive, t'es tout en haut. Oh. Ouais. Hop, je suis juste derrière toi. Tous les vendredis, on s'en fout. Hop, parfait. Allez, je vais le mettre dans le bateau. On peut sauter, tu crois? Si tu tombes dans l'eau, oui. Si par on hasard, sans faire exprès, tu allumes la mèche, tu plonges sous l'eau pour l'éteindre. Comment je fais pour allumer la mèche? Je crois que c'est E. Non, non, c'est le bouton gauche de la souris. Il s'éteint pas. Il s'éteint pas. Si, ça y est, c'est éteint. Il s'éteint pas. On est le combien aujourd'hui? Ah non, il faut appuyer sur le clic gauche de la souris. Attends, clic gauche pour l'allumer, clic droit pour l'éteindre. Tu m'as dit quand on est le 20 okay. Aujourd'hui? On est le 20, mais pourtant aujourd'hui dans les quêtes journalières ils disent il faut peut-être débloquer celle d'avant alors. Parce qu'il y a écrit que du 20 au 21 décembre, ouais. si tu tues un mégalodon, t'as un bonus d'or. D'accord. Mais moi je suis chaud pour buter un mégalodon avec un baril. Il y a un succès pour ça ou pas? Un succès, je sais pas, mais. Je sais pas, mais ça serait fun à voir quand même. J'aimerais bien voir ça quand même. Je saute depuis le mât sur sa tronche. Et tu le fais péter. La mèche. Et je me fais péter avec lui. Franchement, épique, je valide. J'attends de voir ça. Oh, il y a un requin là. On l'explose. Où? Si tu veux. Hein. Oh, il y en a deux même. Il y en a deux. Il y a deux requins. C'est vrai déjà? Un shral. Oh, tu l'as eu au harpon? Tu l'as harponné? Ouais. Deux fois. Mais non. On peut tuer le requin au harpon. Alors il l'a pas tué, mais le harpon il s'accroche au requin en tout cas. Génial, j'adore. Vous les avez flingués parce que là j'arrive dans l'eau. J'en ai eu un. Et je pense que ça doit lui faire du dégât parce qu'il y a le harpon sur le requin. Qui reste sur attaché au requin. Les flèches elles restent attachées au requin. Mais non, mais souvent il y en a des requins avec des harpons. Ouais, mais ça doit la. Planté trois fois. Ça doit les. Leur faire mal en fait. Enfin, ça doit les. Ouais, du coup, vous les avez tués les deux parce que. Ouais, ouais, il n'y a plus de requins là. Les requins, c'est terminé. Alors. Ok, bah, c'était sympa. Je vais chercher la viande de requin du coup. Hop. Et. Un autre morceau de viande de requin. Voilà. Bon, hop, je remonte sur le bateau. Je vais faire cuire ça. On lève l'ancre, on s'en va, on va quelque part. Les voiles sont baissées, je vais faire cuire le requin. Hey, mais c'est bizarre ça qu'on n'ait pas réussi à le faire ce succès. Lequel? Trouver et rapporter deux coffres d'épave aux collectionneurs d'or, parce que le truc tout ce qui nous a fait moment là. Ouais, mais c'était peut-être pas le moment en fait. Ah, il y a la quête
Il y a un objectif. Top chef. Vous ou votre équipage devez battre un mégalodon ou un kraken. Ah, ben. Apporter, attraper et rapporter 3 poules à l'Alliance des marchands. Alors, ça, on peut le faire. Pour ce qui est mégalodon et kraken, il faudrait qu'on s'arrête quelque part pour récupérer des boulets et des planches de bois. Parce que sinon, on ne pourra jamais les battre. Si vous voulez, quand ça, c'est un kraken. Alors, kraken, il faut avoir la chance de le trouver. Mégalodon, ça, à la limite, c'est un peu plus. Oui, c'est un peu plus simple de le trouver, mais dans tous les cas, il nous faut du bois et des boulets. Hein. On n'a rien du tout. Des boulets, j'en ai 8. Du bois, j'en ai 5. Ça suffira absolument pas pour un mégalodon. Bah, tu t'es bien fait un kraken, coquin, toi. Oui, tout seul. Mais un kraken, ça bouge pas autant qu'un mégalodon. Bon appétit, maman. Vous mangez que maintenant? Ben, on a mangé chez mes parents ce midi. Ouais. Et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup mangé. Et rempli la panse, quoi. On a mangé tard et beaucoup. D'accord, parce que c'est rempli la panse et du coup, ça n'a pas trop faim ce soir. Exactement. À tes souhaits. De quoi? C'est gentil, merci beaucoup. Nous sommes à Boulder Cay. Du coup, vous avez une île sur le côté, est-ce qu'on récupère des planches de boulets? Ouais, bah on s'arrête où on peut, on récupère ce qu'on peut. Ah mais en fait, depuis tout à l'heure, le bateau il avance vraiment tout droit parce que personne n'est à la barre. Absolument, moi je fais cuire du requin. J'ai vu qu'il n'y avait pas d'obstacle, je. Ben on approche de l'avant-poste où on s'est fait buter, donc on peut s'arrêter là. Il est à droite, à gauche? À Tribord normalement. Tribord? Je vois rien, Tribord. Ben si. Non, je vois rien, mais... Ah ben lâche la grame et regarde à Tribord. Ouais. Ah ouais, ça y est. Sanctuary. Je suis prêt à. Faut monter les voiles. Alors monte les voiles d'abord, monte les voiles. Ah. Rapproche-toi de l'île, Loïc. Ouais. Hop, vol arrière. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux qu'on se gare en mode. Allez, bien. Tire fort. On va se prendre l'île. Allez, je contre-braque. Moi, j'ai le bateau qui est tout droit là. Voilà. On est arrêté. C'est beau. Ben allez, on va se remplir les tonneaux. Là. T'as vu, Flo, on s'est arrêté sans. Sans encombre. J'ai lâché l'encre à la fin. Ah, bon, c'est pas nécessaire. Les os. Non, c'est pas grave. Écoute. On aura le temps de la remonter. Pour gagner du temps, on ne sait pas. Hein. Je remonte. Comme ça, j'enlève l'encre. Bon, donc, t'inquiète, ça presse pas. Ok. Bon, il en faudrait un peu plus quand même. Hein. Okay. Comme ça, si on doit partir en trombe. Fais clisser les pneus. Ouais. Cet après-midi, il y avait les motards Père Noël, il y avait à peu près 250 motos dans Marseille. C'est quoi les motards Père Noël? C'est dans le taxi. Le gang des Pères Noël. Sauf que là, il y avait à peu près, je sais pas moi, 250 ou je crois qu'on y avait à peu près 250 motos et les mecs ils étaient déguisés en Père Noël. Sérieux? Ok, ils faisaient du boucan en fait, c'est ça? En Père Noël. Et il paraît que, en fait, il paraît que c'est un truc caritatif et qu'ils vont au Resto du Cœur ou je sais pas trop où amener les cadeaux. D'accord. Mais si t'avais vu le bordel. En plus de ça, ils ont des cadeaux. Bah. T'as l'impression que c'est le running gag qui finit jamais. C'est des mecs qui sont à moto, habillés en Père Noël, avec des cadeaux pour une œuvre caritative. C'est une blague. Je sais pas, ça peut tout mettre, on dirait que c'est faux.
pas si c'était faux, mais en tout cas, il y avait du monde. Alors, j'ai plein de verres. Ah, si tu veux pêcher, c'est bien. Hein. J'ai jamais pêché. Ah, tu pourrais essayer. Ouais, bon, là, j'ai trois. Ah, putain, mes jambes. Oh, mes jambes. Ah, mes jambes. Là, j'ai trois tonneaux où il y a plein de boulets dedans. Donc, je vais en ramener déjà 10 là. Enfin, pourvu qu'on retombe pas sur les autres guignolos là. Bah, si on les voit, je prendrai une chope avec eux. Ah, bah oui, avant qu'ils te tuent. Hein. Bah, de préférence. Moi, je sauterai sur leur bateau avec un tonneau. Alors, ça, je sais pas si tu auras le temps. Ah, bah, s'il a le temps de monter sur le mât, il a plus qu'à sauter et ça explose. Hein. D'ailleurs, ta chope, tu l'avais bu en entière ou pas? Ah, non, non. Ok. T'as trempé les lèvres, non, quoi. Mais... c'est suffisant. En fait, j'ai entamé le début et après, je l'ai tendu direct. En mode, je goûte et je traîne. J'ai des boulets chaînés. Ouais. Des boulets incendiaires. J'ai la balle de boulets, les copains. Mais. Ouais, j'ai un tonneau, il y a des bananes dessinées dessus. Ah, ça doit être drôle, ça. Quand t'exploses, tu fais peut-être rire tes adversaires. Non, non, mais c'est un tonneau comme n'importe quel tonneau, en fait. Mais il y a des bananes avec marqué Freaky Dusty dessus. Billet de torpeur. D'accord. Si tu veux voir, c'est là où je suis. Ah, c'est les boulets magiques, ça. Ouais, j'ai deux boulets magiques. Chaque boulet magique, enfin les différentes couleurs, elles ont des effets différents. J'ai un vert et un violet. Alors, je pourrais pas te dire de mémoire à quoi ils servent, mais. J'en ai mis dans le tonneau, moi. J'en ai mis dans les tonneaux. Il y en a certains, ils rendent l'équipage malade. Il y en a d'autres, ils tirent l'encre directement. Ouh. Ça dépend les tonneaux. Mais ça tire l'encre de l'adversaire ou le nôtre? Non, non, de celui qui se reçoit le boulet. Regarde, Loïc, si tu veux venir voir. Je sais pas où t'es. Là, bah, derrière toi. Et t'en as d'autres, ils font que les canons se lèvent, ils peuvent plus tirer avec leurs canons. Oh, c'est trop bien. Regarde ce tonneau. Que ça. C'est peut-être un easter egg. Bah peut-être, je sais pas. Je pouvais lire un truc dessus. J'arrive. T'as vu ça? D'accord, donc... Ah bah ça m'a fait un succès. Ah ouais? Ah bah j'ai dû en voir déjà alors. J'ai jamais fait gaffe. Il y avait écrit Y examiné, je l'ai lu et ça m'a fait un truc. Donc attends, je vais finir sur quelle île on était là. C'est sur Sanctuary qu'il y a des bananes à foison dans ce tonneau là. Ah, peut-être qu'il y en a ailleurs, je sais pas, j'ai jamais fait gaffe, mais en tout cas. Oui. Bah moi ça m'a pas fait le succès. Peut-être que tu l'avais déjà aussi. Je sais pas. Bah c'est impossible. Bah c'est étonnant en effet, mais moi non plus j'ai rien eu. Donc... Bah moi j'ai fait Y examiné. Hein. Mais c'est un succès ou Xbox ou un truc du jeu que t'as non, eu non, j'ai eu 5 galions quoi. Ah. Ah bah je les ai pas moi non plus. Moi non plus. C'est pas grave. On voit les privilégiés. Ça va peut-être apparaître plus tard, on sait pas. Mais... oui, en effet, on voit les privilégiés. Le tonneau. Le tonneau de la honte. Oh, c'est quoi ce truc là-bas? La où ça? À droite de nous, la grande lumière, je sais plus ce que c'est ça. Alors, soit il y a le squelette, soit il y a une épave. Bah, à côté du squelette là. C'est une épave ça? Le truc qui scintille là? Ah oui, mais elle scintille vachement fort chez moi, je sais pas comment ça scintille chez vous. Ouais, ça scintille vachement fort, je suis ultra chaud pour aller voir. Ouais, c'est une épave. Ouais, mais elle scintille vachement plus fort que les épaves de d'habitude, non? Ouais, je pense que c'est parce qu'on est juste à côté, hein, et qu'il fait nuit. Ah, ouais, peut-être, je sais pas. Va, hein. Bah, allez. Hein. Ah, non, attends. Attends, avant d'y aller. Ouais, ou... Attends. Et... on tire dessus, là, Flo, viens, on va vendre les tonneaux. Mutinerie. Ah, attends, je vais juste recharger parce que je viens de tirer sur Louis. Mutin. C'est une mutinerie. C'est quoi ça? Voilà, on est bon. Alors. Hop. Alors si d'en haut tu sautes direct dans l'eau, ça passe. Ça va. Sinon, bah, adieu le bateau. Qu'est-ce qu'il fait?
Je vais dire de prendre le tonneau et il va sauter du haut du bateau à dans l'eau. Oh, il va sauter. Bah, pour descendre plus vite. Ah, par ah, contre, parce vise que, l'eau. Ah, hein. Vous allez prendre le tonneau? C'est bon, c'est passé. Il y avait une chance sur deux, je savais pas où j'étais. Ça, c'est comme dans le 2, il y a le Kraken. Du coup, les tonneaux, il faut le vendre aux marchands. Non. Aux... Comment on les appelle, Loïc, déjà hein? Le... Je sais pas où t'es. L'Alliance des marchands? L'Alliance des marchands, oui. Ok. Ça fera augmenter oh, le niveau de l'Alliance des marchands. Waouh. La réputation, je passe niveau. Oh non, je suis pas passé 34, fou. 34, mais comment ça se fait que t'as encore t'as deux niveaux de plus que moi toi maintenant là? Bah j'y suis pas passé niveau 34 justement. Mais toi on avait qu'un niveau d'écart et là on en a bientôt deux. Bah je suis 33 hein, toujours. Mais je suis sur la fin de 33. Ouais, moi je suis sur début de 32, qu'est-ce qui s'est merdé là? Ah bah je sais pas. T'as pas assez fait d'alliance hein, avec les marchands. Ouais. Allez go, on va voir ce qu'il y a là-bas. Là il y avait le harpon qui était actionné hein. Ah bah on va couper la corde. C'est bon, il est désactionné. On va sur l'épave. Ouais. Moi je me mets à la proue et je vous guide. C'est bien. T'as vu, elle est vachement lumineuse. Est-ce que toi aussi, Loïc, ça te fait ça? Ah oui, oui. Ah ouais, on dirait une très lumineuse. J'ai jamais vu autant lumineux, un truc comme ça. Bah, il y a peut-être une lune particulière, je sais pas. Ah mais oui, la lune, regarde la lune. Elle est dans l'alignement parfait de l'épave. Ah oui, et dès qu'on n'est plus dans l'alignement de la lune, ça le fait plus. C'est trop bien. Remets-toi dans l'alignement de la lune. De l'autre côté. Va à gauche. Ouais, ouais. Ah bah je crois qu'on approche les copains. Ah ouais, ouais on approche mais... Ah oui, l'alignement de la lune. Vas-y, reprends à droite. Vas-y, donne. Tu veux que je te le passe? Ah, ça le fait plus. Ouais, moi oh, c'est nul. Pas. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Pourquoi ça ne fait plus... Ben, allez, je sais pas. Ouh. Allez, on va fouiller l'épave. Go! Tu jettes l'ancre peut-être là, parce que sinon, je pense pas que t'arriveras à choper un truc. Peut-être le bateau. Ouais. Mais je vais jeter l'angle par précaution. Ouais, parce que... Alors n'oublie pas de respirer, Flo. Ouais. Oh non. J'ai trouvé un baril de poudre de place forte. Ah cool. Je crois que ça rapporte plus ça encore. Moi j'ai trouvé une émeraude. Moi j'ai trouvé 8 boulets. Mets-le en haut aussi le baril. Ouais ouais ouais. Elle est pas censée remonter cette connerie d'émeraude non? Elle est remontée. Ah. J'ai vu un truc qui brillait chelou. Dans la cabine du capitaine, j'y retourne. Le truc rouge? Ouais, tu l'as vu? Ouais, il est à l'arrière. C'est un coffre. J'ai... Prime de la mort. Cendré. C'est quoi? Prime de la mort, il est marqué. Et je pense que ça devait être ça, là. Pourquoi ça devait briller chelou? Bah, ça. Ah, ça... vous avez pas pris le coffre du chagrin? Non, vous voulez pas le prendre? Non, j'ai pas pris. Le quoi? T'as pas pris, il y a un coffre du chagrin.
Attends, mais là je sais pas ce que c'est. J'ai jamais vu un coffre comme ça. Ouais, ben moi non plus, c'est pour ça, je t'ai dit, ça brillait chelou quand je suis arrivé dans la capitaine. Ouais, l'avant il est abîmé en rouge. Il y a marqué prime de la mort. Oh, y a un crâne sympa aussi, je le prends, je récupère. Je pense que c'est pour ça que ça devait briller en mode chelou, je vais crever. Ouais. Ça devait briller en mode chelou parce que. Oh, ça y est, je suis pas. Oh, ça y est, ça m'attaque la vie. Oh, je suis pas bien. Oh, je suis pas bien. Ça devait briller chelou parce que je pense que ça devait être un peu un truc un peu costaud cette épave. Je pense qu'on va vite faire demi-tour pour aller vendre ce Oui, coffre que je oui, ne connais pas. oui. Oui, moi non plus. D'ailleurs, je ne sais même pas à qui on doit le vendre et s'il faut pas faire un Caisse truc. de sucre raffinée. Ouais, tu peux prendre aussi ça. Pour les marchands, c'est bien. Eh oui. Après, des trucs, tu peux les lâcher quand tu es dans l'eau pour pouvoir remonter plus vite si tu sens que t'es pas bien. Tu les lâches et le Ok. coffre, il remonte tout seul. Et toi, tu D'accord. pourras nager plus Vous vite. avez fait le tour du bateau. Qu'est-ce que tu veux, Alex, tu veux qu'on le prenne le coffre du chagrin si on fait demi-tour direct? Ouais, on peut le prendre, ouais. Je fais un tour C'est du bon, je l'ai bateau, pris. encore. Il y a une émeraude. Mmh. Je la récupère ou J'ai le pas? sucre daddy. Il y a un J'ai pris le pneu coffre du aussi. chagrin. Je le laisse dans l'eau pour le moment, tant que... Oui. Qu'est-ce que je fais? Bon, l'émeraude, on s'en bat les couilles. Donc, quoique, non, Oh, l'émeraude, on peut la revendre. prends-la, on va la vendre à l'Alliance des Marchands, ça fera monter Ouais, le mais niveau. je vais crever, je vais crever. J'ai plus d'air. Ben, J'ai plus fais-la d'air et je suis dans la cale remonter. du fond. Non, mais je suis dans la cale du fond. Ah, ouais, je vais aller venir la chercher alors. J'ai de la viande si tu Ouais, veux. non, mais moi aussi. Je vais manger un coup, mais. Non, je vais crever. Mais j'arrive pas à aller jusque là où vous allez, vous. Ah, En fait. ben. Nous non plus, on n'y arrive pas, mais on y va quand même. Tu nages, hein? Moi, je suis pas bien. Je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas Mais bien. je t'ai pas vu Voilà. dans la chope du fond. Oh. Quoi? Je t'ai pas vu dans la cale du fond. Bah, ben. Écoute, je suis rien, hein. Là, on a dû se croiser. Bon, on a tout ce qu'il faut. On est On ok? fait. Vous l'avez le Attends. coffre méga trop bien là? Ouais, attends, le mien il est en train de pleurer, j'attends qu'il finisse de pleurer et on y va. Prime de la mort ramassée. Non mais attends, mais ça tous les pouces, ça c'est tous les pouces c'est un coffre qu'il doit falloir ramener sur une île cachée ça Alex. Attends, parce que moi Je le le mien sens. il pleure là. Je le sens arriver gros comme une baleine le truc là. Oh, ça suffit, arrête de pleurer, garçon. Mais pourquoi il pleure ton coffre? Bah parce que c'est un coffre du chagrin. Parce que c'est un coffre du Mais du coup, ça te remplit le bateau d'eau, ça. chagrin. Ah. Allez, garçon, c'est pas grave. On te prend avec nous et on t'emmène là-bas. Tu verras, Tout va les bien, frère. gens vont t'aimer. Tu t'es fait abandonner, tu t'es même pas fait abandonner. Ton bateau a coulé, ton équipage est mort. Mais il faut Bon, pas mais pleurer comme merci. ça. Regarde. On... Alex? Oui. C'est bon, il arrête de pleurer. Le coffre que tu as trouvé Ouais. sur internet, Ouais, ils au bout disent d'un qu'il faut moment, le vendre à je Repsol. pense que tu peux leur jouer avec eux au Où niveau ça? bouquet. À quel endroit, Bouki? À Reaper. C'est la prime de la mort, nous, hein, c'est ça qu'on a? Ouais. Si on le vend. S'il est vendu à Reaper Hideout, tu gagnes 25 000 pièces d'or et 25 doublons. Sérieux? Bon, on y Ouais. va. Je suis plutôt chaud. Enfin, c'est ce qui est dit sur Internet. Alors, si tu peux jeter un coup d'œil, toi aussi, que je sois pas tombé sur un truc Non, mais moi je te fais pété. confiance. Écoute, on va aller déjà vendre le reste là-bas et après on va checker sur la Ouais, map poussée. Et... j'espère que j'ai pas. J'ai pas vu. Attends, je suis sur Sea of Thieves. Y a pas un truc là qui me raconte. On s'en fout. Coffre de prime de la mort. C'est ça. Alors, Duke. Guettez l'apparition d'un rayon doré à l'horizon et les coffres portant une marque dorée promettent la vaste richesse. Promesse de vaste richesse. Duke n'accepte plus aucun coffre de la faucheuse.
afin d'encourager les pirates à les livrer à Reaper Hideout. Ah, le Reaper Hideout, ok. Pardon, oui. Ouais, le Reaper Hideout, je connais. Si vous ne savez pas comment dépenser votre or, jetez un coup d'œil au nouveau vêtement de la boutique. Bon, mais en fait, on vient juste de trouver un nouveau coffre. Préparez-vous à lâcher l'encre. Ouais. Vas-y, lâche l'encre. Maintenant ? Ouais. Non, t'inquiète. C'est bon, on est large. Si on a un coffre qui fait 25 secondes... Mon gars, je crois qu'on s'est jamais aussi bien garé. Oh, c'était magnifique. Oh, on est pas mal, là. Donc on fait quoi, là ? Alors là, tu prends les joyaux les et tu... Les émeraudes, tu les vends juste ici. À la dame qui est juste ici, là. Là. D'accord. Et ce que t'as aussi dans la main, aussi. Ok. Mais... Attends, mais que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Omega est en train d'offrir deux subs actuellement? Oui. Et tu dis... Ah putain, mais j'ai pas vu, tu m'as dit bonjour. Je suis désolé, j'ai pas vu ton message. Tu viens de le mettre à l'instant. Comment tu vas, Omega? Merci beaucoup, c'est très gentil. Je pense que les gens qui te regardent... D'ailleurs, il y a Momo qui nous regarde apparemment. Il n'a pas dit bonjour non plus. Comment ça, Momo, il nous regarde? Ben, apparemment, il est sur le live actuellement. Vu qu'il vient de se faire offrir un sub par Omega. Bah écoute, ça va bien. Et t'es encore en vacances? Ah bah oui, il commence les vacances. Non, mais pas les vacances, genre... je crois qu'il était parti en vacances. Ah, il était parti, hein. Ouais, vu que la dernière fois qu'il est venu, il disait qu'il avait un ordinateur tout pourri qu'il pouvait pas jouer. Je suis perdu maintenant, je sais même plus où mettre... Alex, la prime de la mort, Non, tu la laisses dans le bateau. Ok. Justement, c'est ça qu'on va essayer de trouver, l'île où on peut la vendre et peut-être avoir 25. Normalement, c'est le Reaper Hideout. Ouais, et elle est loin, cette île. Ah, c'est possible qu'elle soit pas tout proche. On mettrait pas ce truc dans la cale. On va le cacher un peu. Ah, c'est bon, tiens, un bon PC. Et Alex, elle est pas loin. Elle est pas loin ? Non. Ok, bah on y va. Oh, regarde. Ah, attends. Parce que je crois que j'ai la méga bombe aussi tout en haut du mât. Ah oui, bah vas-y, va la vendre aussi. Ah bah oui, tiens, un bon PC là. T'as un très bon PC même. J'ai la même chose mais en fixe. Alors, on va aller au Reaper Hideout. Est-ce que tu veux jouer avec nous, Omega? On va d'abord vendre un truc, mais si tu veux venir nous rejoindre après, y a pas de soucis. Alors, baril de poudre de la place forte. Ça a la marchande. Et 3500 balles quand même. Tu l'as vendu à qui? À la marchande. Bah ok, y a pas de souci, bah 10 minutes, je crois que ça nous laisse déjà largement le temps d'aller au Reaper Side Out. Si on s'est pas attaqué, s'il y a rien du tout, on est bon. Ouais, non, mais ça devrait... Ah, ça va. J'ai vu qu'on était à... Je crois qu'on était à 5 cases, et si on a un bon vent et tout, y a moyen qu'on s'en sort. Parce que du coup, regarde... Tu nous lèves la barre tu nous lèves le... On s'est trouvé ce petit coffre, là. On l'avait pas eu avant. Bon, sûrement, mais peut-être en fait, dû en avoir... Ils me disent qu'il faut qu'on suive... En fait, c'est écrit « guetter l'apparition d'un rayon doré à l'horizon ». Donc, Alex, c'était exact... C'est pour ça que ça me paraissait bizarre, c'est parce que c'était vraiment quelque chose de particulier. Ouais, il faut aller vers où? Vers le sud? Oui, sud-est, j'ai envie de te dire. Même. Eh ben, je vais le faire. Hein. On s'est trouvé un petit coffre de la mort, prime de la mort, là. Je t'avoue que c'est la première fois que j'en vois. Hein. Après, moi, je cherche rarement dans les... D'ailleurs, Alex, j'ai envie de te dire qu'on est aussi marqué. Mais non. J'ai mon sniper. Tu t'en rappelles la fois que je te disais que sur le... La carte, il y avait quelqu'un qui avait un truc bizarre, c'est ça? Tu sais que t'en rappelles de la petite tête de mort que je te disais, tiens c'est bizarre, ça bouge pas, qu'est-ce que c'est? Ouais. Et ben là on est sur notre bateau. Mais non. Cool. Donc en fait...
Fais voir. T'as regardé un... Ah oui. En effet. Toi qui as regardé un film de Vin Diesel tout à l'heure, en fait, on va mettre la nitro, tu vois. Parce que actuellement, on a un coffre qui vaut potentiellement, d'après Internet, 25 000 pièces d'or. Donc, je ne sais pas si... péter grave. Donc je ne sais pas si les forums bah ouais, c'est cool, merci, mais dans tous les cas, on a quelque chose qui est marqué. Donc si on est marqué, c'est qu'il doit y avoir de la valeur. J'entends quelque chose. Donc, oui, mais on s'en bat les couilles du mégalodon, on le chassera peut-être tout à l'heure avec Omega. Là, on... c'est trop risqué. Il est quelle couleur? Il est violet. Bon, ça va. Il est blanc. Oh merde. L'échec total. Omega, rejoins la partie, démerde-toi. Arrive avec un petit sloop, nous fais pas chier. Est-ce que je peux pas attaquer le mégalodon? Non, n'attaque pas le mégalodon. Bah si, il nous coule, ça ferait chier. Laisse-le tranquille, on va se rapprocher de l'île qui est en face. Oui, parce qu'en fait, Flo, le mégalodon blanc, c'est le plus rare du jeu. Ok. Ça, bah écoute Omega, dès qu'on a vendu le coffre, pour pas quitter, casser la partie, le perdre, on change le navire et tu nous rejoins. Ou alors si tu veux démarrer une partie... Ah remarque, après si tu te fais attaquer pendant... Bon, comme tu veux. Tu peux démarrer une partie directe à 4. C'est un guerrier os, le gars. Si tu veux démarrer une partie avec un galion et on te rejoint après, si tu veux. Filez lui un cuirassé, quelqu'un. Alex, t'as besoin du café peut-être, parce que là, ça fait un moment que je te l'ai pas donné. Ouais, là je navigue au gré du vent. Envoie-toi à sud-est. Je vais faire en sorte qu'on soit face au vent pour aller le moins vite possible. Non, pas maintenant, on est à 3 cases, s'il te plaît. Non, reviens. Ah attends, mais moi je me mets face au vent en fait. Hein. Ah pardon, ouais, bon, on était sur du sud-sud-est. J'ai trop peur qu'il y ait des mecs qui nous attendent sur le port. Ouais, là c'est bon, nickel, bouge plus. Ok. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour le vent? Absolument pas. On peut absolument rien faire. Wow. Ah, ben on te rejoint juste après, Omega. C'est Jess qui regarde la télé, là j'ai entendu une pub. Ouais. C'est la pub orange, je crois. Exactement. Putain, pourquoi je connais ça? Je regarde jamais la télé. Surveillez l'horizon qui est pas un putain de fucking bateau qui nous attaque parce qu'on aura rien à foutre. Vas-y, c'est mon rôle ça, je regarde l'horizon. Je regarde l'horizon. Putain, on est tellement proche et tellement loin à la fois. Oh, c'est horrible. On avance tellement lentement. Vite, non. On avance pas vite. Tout ça pour gagner 2 roupies, putain. Ça fait... On va gagner 20 balles. Comment ça, on va gagner 20 balles? Mais non, on va pas gagner 20 balles, on va gagner plein de balles. J'espère qu'Internet ne ment pas. J'espère que les balles ne seront pas dans notre corps. J'espère que non plus. Mais dans nos bourses. Parce que si on tombe sur les mêmes mecs que tout à l'heure énervés, ils ont pas cherché à comprendre. Ils sont arrivés, se sont garés à côté, ils ont lâché les bombes. Bah là, on a tous les boulets, on a les boulets chargés et tout. Ah, il y a l'île cachée qui est juste en face de nous. L'île cachée? Ouais, tu sais, l'île qui est entre deux îles. Quand on fait la première quête, je crois. Pas ça? Ah oui, la fameuse. Ou peut-être pas. Putain, on n'avance pas du tout, mais tourne le vent, s'il te plaît, mets-toi derrière nous. Bah à mon avis là il est contre nous genre. Ou sur le côté, je sais pas. Putain, j'espère qu'il est pas au Reaper Side Up le tête de... De quoi? Comment il s'appelle là? Flame Earth. Ouais. Non, il est pas au Reaper Side Up parce qu'il a l'être sur une île un peu montagneuse. Et le Reaper Side Up c'est tout plat. Enfin c'est assez plat. Non, je crois c'est le truc à gauche. Ouais. Celle qui est à gauche, il me semble. Oh, c'est horrible. À croire que le vent. Je vais te dire si c'est bien celle-là. Ouais, c'est celle qui est à bâbord. Bon, on commence à s'approcher, tu cherches même pas à comprendre. Il y a un petit port à bâbord. Il faut qu'on aille. Alors, l'île est en deux parties. C'est pas la partie qui est proche de nous sur laquelle il faut aller, c'est celle d'après, il me semble.
Bon, de toute façon, on s'en fout. Au moment où on arrive sur l'île, tu sautes, tu rentres dans la tente au milieu de l'île, là, dans ouais. l'espèce de tipi géant. Là. Moi, je suis prêt. Oh, c'est horrible, j'ai l'impression que le bateau il va en arrière tellement le vent est contre nous. Est-ce qu'on a. Est-ce qu'il y a du monde autour? On est trop loin d'aller en arrière là. Je vois personne aux alentours. Et pourquoi la mer elle se déchaîne dès qu'on commence à s'approcher de cette île? Parce que c'est le Reaper Side Out. Oh le délire! Oh ça va tellement loin. Et là. Merde, qu'est-ce que je fais moi? Je vais pas faire ça. Je préfère ne rien dire. Je préfère ne rien dire. Mais. J'ai l'impression que ça pue du cul vers là où on va, non? Non. On s'en fout, on rentre dans l'île. On cherche même pas à comprendre. Alex, il stoppe. Alors il faut que tu ailles à gauche ou à droite. Comme tu veux, mais c'est pas sur ce côté-là de l'île que je veux descendre. C'est de là, j'ai l'impression qu'on reprend de la vitesse là tout à coup, non? Ouais, le vent a tourné. Là, les gars, il va falloir tirer l'ancre genre right now. Non, on s'en fout. On s'en fout, même si le bateau on le fracasse. Désolé, on s'en fout. J'ai fait finir d'année. C'est sur la deuxième partie de l'île qu'il faut aller. Allez, ça va, d'ailleurs, c'est toi, Flo, qui devrait être coulé là encore. Va à gauche, 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 à fond à gauche. C'est trop tard. Ah, ça pue. On s'en fout. Va en réparation, Flo. Moi, je descends. J'irai à la nage. On s'en va en mission comme si c'était super grave ce qu'on est en train de faire, mais en fait, il y a juste personne, donc. Au pire. Ah si. Ah non. Attends, je viens avec toi s'il y a un doute. Non, il y avait personne, c'est juste le port en fait. Je croyais que c'était un bateau. C'est bon, normalement j'ai réparé le vaisseau. Mais c'est juste le quai. Alors. Normalement au milieu il y a un mec, je crois. Oui, normalement il y a. Je crois que c'est une dame. C'est une demoiselle. J'ai oublié. Sincèrement, ça fait tellement longtemps qu'on n'est pas venu lui vendre des trucs à elle. C'est vrai qu'on vient rarement, pourtant elle rachète des trucs plus chers, elle. Mais on gagne pas des points pour les. Pour les marchands. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un? Bonjour. Oh. Et, ah, voilà. Ah, ben, bonjour. Est-ce qu'on se connaît? Il fait des offres, lui? Ah, il a des choses à vendre. Est-ce que toi, tu peux lui vendre? Oui, je peux. Ah yes, combien on gagne 10 000. Eh, pas mal. Ah, ouais, c'est que 10 000. Bah, il doit y en avoir un autre, peut-être qu'il peut le. Mais bon, c'est déjà ça. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Adepte de la flamme permet d'acheter les malheureux canons de la faucheuse. Ouais, mais je m'en fous, en fait, je veux pas. Oh putain, t'as vu le nombre la réputation, on a bien gagné en réputation là. Ouais, on s'est pris un petit plus 6 là. Ouais. On aurait pensé à venir le voir de temps en temps en fait. Oh, hein. Et c'est pas trop chelou ça, cette trappe là, je suis sûr que ça doit se faire ce truc. Ouais, ça paraît bizarre ça. Tu sais quelque chose sur ça, Omega, toi? Moi, bah attends, c'est con, mais on va le rejoindre. T'as démarré une partie, Omega, ou pas? Avec un galion? Ou pas encore? C'est notre bateau là qui est en train de s'échouer sur l'île? Oui. Ah, ok. Bon. Comme il était en train de se barrer sans nous, j'ai mis un petit grappin. Au calme. Allez, bah, je vais nous changer de canal. Ne bougez pas, ne faites rien. Ouais, t'inquiète. Je Et nous revoilà en direct avec Omega. Comment allez-vous? Ça va bien et toi? Ça va bien. Vas-y, je lance. Ok, allez, je viens de lancer à l'instant, je lance le jeu. Ouais, allez, on va te rejoindre. Voilà, combien j'ai de monnaie. Je peux acheter. Si je peux au passage acheter le nouveau galion, ça peut être stylé. S'il est vraiment stylé en plus. Il y a des drops en ce moment en plus, je sais pas si t'as vu. Ouais, il y a des nouveaux drops, des nouvelles périodes de drops, j'ai tout pris. Ah ouais, je rate un peu. J'ai loupé le premier, moi. Ah, malheureusement. Ah, je m'y attendais pas, en fait. Il y a eu des drops la semaine dernière. J'ai vu ça, le truc, j'ai vu à 23h. Sinon, t'as jusqu'à 11h tous les jours. Ça se réinitialise, ça se reboot à 11h. Ouais, je sais, mais j'ai loupé le premier jour complètement. J'ai réussi à avoir celui d'hier, mais. J'ai acheté Cyberpunk aussi.
Ah, tu l'as pris? Qu'est-ce que Ouais. J'ai planté le grappin dans On une verra si flamme. les gens. Ouais, je vois ça. Putain, mais Ah, qu'est-ce qu'ils a foutent, priori, il est bordel? bien. Hein, les gens Ils font se plaignent. scandale là, je suis là. Les gens sont assez contents. T'as pris? Je l'ai sur Xbox, moi, mais j'y joue pas encore parce que du coup, j'ai qu'une Xbox One S. Il est sur les Xbox Game Pass? Non, pas sur le Non. Game Pass, mais je l'ai Ouais. acheté en version Oh, j'ai eu peur physique. parce que sinon j'aurais dépensé 60 balles pour moi. Pour rien. Un Bon, truc de dingue, alors, quoi. Un truc de tu me dingue. dis quand tu as démarré ta partie. Ouais, ah, je fais un chargement. Bon, Ouais, du coup, ouais, je vu l'ai que c'était acheté le sur. risque de tourner. Le jeu tourne à 80 fps. Oui, donc tu l'as acheté sur Xbox en version physique. Ouais, j'ai un physique sur Xbox, mais du coup, j'attends que les patchs de janvier ils sortent pour lancer le jeu parce que, a priori, c'est pas. Apparemment, ça va mieux déjà. Il est Oui, jouable ça va maintenant, mieux. mais j'attends le patch de janvier pour en profiter pleinement. Pourquoi? Pour quel jeu? Vous Cyberpunk. Cyberpunk. Ah oui, ouais, bah ouais, c'est vrai que là en ce En moment plus, comme moi, il est un comme peu moi dans les chez mon tourments, père, quoi. comme chez mon père, j'ai une RTX. Ouais. Ça va technique. Hein. Après, c'est la première génération de RTX. C'est la 2070 que t'as, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, Ouais. ça risque de venir bientôt. Alors, j'ai parlé avec un gars qui jouait. Lui, il avait une RTX 2080. Il m'a dit Ouais. que quand il joue, quand il stream pas, il active le RTX. Mais quand il stream, il peut pas Ah parce que non, ça mais prend trop. non. Ah Ah non, ouais, mais je le peux. bateau, où est-il là, les gars? Il est en dehors de l'eau, le bateau. Oula, les gars, votre ping là. Ah oui, je suis à 347 de ping, donc c'est trop vraiment pas très compatible. Aïe. Bah, en fait, là, je suis un peu sur la 4G de mon téléphone. Ouais, Ah oui. Ouais. c'est nickel. Vous pouvez join? Vous avez pas besoin, les gars. C'est bon, on peut join. Allez, on arrive. Ah ouais. Hop, Windows G, Donc Omega, moi, voilà quoi. rejoindre. Pas comme si j'étais à 200 de ping. Oh, en vrai, ça a l'air pas mal de ce niveau-là. Si je touche aucun objet, ça. Si je touche un objet, alors, j'ai mis le 200 ping, ça stock. va être pratique ça pour le PVP. 300 de ping. Ah ouais, c'est grave. Mon ping, frérot, il va partir. Il va partir en Islande, bien. Non. Vous nous rejoignez les Attends, copains? je vais faire un calcul. 800 plus Alors. 800. 8 x 8, ça. 8 x 2, ça fait 1100. Enfin, ça fait 16. Oui, 2 x 8 ça fait 16. 2 x 8, ça fait 16. Bonjour, Ok. question. Oui, non, mais je suis nul là, je suis un peu nul. D'ailleurs, t'as reçu ta barrette de RAM ou pas? Non, mon père l'a commandé, moi j'ai recommandé le truc. Ok. Le bâtard. Donc là, ça fait 1000, ça fait 12. Oui, je me perds dans mes trucs. Ça fait 1600. 1600. On va le J'arrive, dire je suis chaud. 2000. On va le dire 3000. Ouais, il me faut à peu près ça. Attends, ma chérie. Ah oui, 31 Salut. euros quand même. Bon, ça va, ça va. Ça part à la caisse. Allô? Ouais. Il faudrait pas que j'ai un ping élevé pendant que je fais mon achat parce que frérot, j'ai pas envie que. D'ailleurs, des fois, ça me dérange que j'y sois frérot parce que je suis habitué avec mes amis de dire. Ah, alors par contre, si je suis à 700 ping, Mais sinon, si t'as des achats à faire, t'as qu'à. Ah, mais tu parles des achats dans le jeu. ouais, c'est ça. Ce que j'allais dire, sinon tu fais les achats quand on joue pas. Ah non, je commence. En fait, ma barre de rang, je ne peux pas les escalader. Ah ouais, j'ai 830 de ping, c'est d'une violence. Ah non, c'est bon, mon ping redescend. Je l'ai mis en hauteur, mon téléphone. Nickel. C'est vraiment les techniques du bled. Là, en gros, tu connais Valmorel ou pas? C'est une station ski. Ça me dit quelque chose, ouais. Ah bah c'est une station ski, et donc en gros, là, je suis un peu cliché et tout le monde. Setup du bled avec une vieille table, vraiment, c'est pas ouf. Hein. Pas très salut. Écoute, c'est déjà pas mal Je suis en côté train la d'acheter 4G à mon la bateau. montagne. Hein. C'est déjà pas mal que je puisse jouer carrément. On a 3 mâts déjà. Eh oui, on a 3 mâts déjà. Quoi, Ça ouais. pousse vite, hein. Ouais. On en avait 2 tout à l'heure, on en a 3 maintenant. C'est Bah dingue. Absolument incroyable. Ça se trouve, avant la fin de la soirée, il y en a 5 ou 6. ouais. Là, on a Ouais, changé de bateau pour rejoindre Omega. un plus gros bateau. Un plus Plus de gros plaisir. bateau pour de plus grosses testicules. Voilà. Hop.
Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, je commence à comprendre, on a récupéré des coffres sur une épave et tout, c'est stylé. Non, franchement, sympa. Très sympa. Ça serait bien qu'on fasse quelques quêtes des marchands, non? Je vais vous mettre le bateau, il va claquer. Ah, vas-y, fais voir ça. Je vais payer 30 balles quand même, le bateau. 30 balles? Mais tu es un fou. Ah, je suis un malade mental. Ah ouais. C'est pas mal. Ah, les canons, ils sont stylés, les canons. Et vous allez voir la nuit, la gueule des voiles la nuit, c'est incroyable. Hein. Elle brille. La gueule des... Ah oui, il brille. Moi, j'ai pris les sous-brilles. Ah, mais alors là, comme ça, on sait bien, on sera vu de loin, on va nous attaquer en permanence. Ça va être nickel. La barre est magnifique. Oh, cette barre. Ouais, franchement, c'est super joli. Ah, Loïc, viens voir ton nouveau guidon. C'est vrai, c'est ma nouvelle barre. Moi, c'est une nouvelle barre. Moi, ah, claque là. Le... Ah oui, c'est vrai qu'elle est stylée quand même. Ah, j'ai hâte de remonter cette encre, regardez-moi ça. Tu te fais des chouettes cadeaux de Noël, hein, mes gars, c'est cool. Ouais, j'ai. En gros, j'ai un papy. J'ai encaissé le chèque, enfin. Parce que. J'ai une semaine d'attente. En gros, j'ai un papy qui est très éloigné. Et le gars, maintenant, je suis en train de lui reparler. Parce qu'en fait, il a coupé les ponts avec toute la famille. Et moi, le mec m'a lâché un chèque de 400 balles pour lui parler plus. Tranquille, normal, hein, c'est le mec qui a un peu d'argent. J'ai pas compris, ma maman elle m'a dit arrête. Là, j'en ai un peu. Arrête de du vol. Là, du coup, c'est le skin full là. Enfin, t'as tout mis. Ouais, j'ai tout. Ah non, il me manque. Oh là là, les voiles ils pètent quand même. Hein. Oh, là, ouais. Non, mais là, si là, on va rencontrer d'autres joueurs. Les mecs vont croire qu'on est légendaire. Ah ouais. Direct, quoi. Ah ouais, les voiles elles claquent. En plus, alors, la nuit, il brille. C'est quoi la figure de proue qu'on a du coup? Alors, c'est un vieux bloc de glace complètement pété contre le mur. Non, vrai, il brille. Attends, je vais dans l'eau pour l'observer. Ah, c'est juste de la glace, mais elle brille donc. Ça vaut le coup. Ouais, mais attends, franchement, les effets sont sympas quand même. Ah oui, non, ouais, c'est vrai. Ouais. Non, allez, c'est classe. Ah ouais, c'est stylé, on dirait de la glace carbonique. Le skin est classe. Mal, non, franchement, stylé. Bon, j'ai quand même très très peur pour ma vie, mais stylé. imagine IRL, les pirates à l'époque, tu sais, ils commencent à avoir des balles, des galions tunés. Ils allaient dans les bateaux. Oméga, je viens de me faire un marathon de Pirates des Caraïbes et à aucun moment donné, j'ai vu un bateau avec des couleurs comme ça. J'ai regardé les 5 films, à aucun moment donné, ils ont plutôt des bateaux, des épaves qui flottent, ça oui. D'ailleurs, je me demande à chaque fois comment les bateaux font pour être en pleine forme le film d'après. Mais... Bah regarde, oh, nous, deux trois planches de bois et c'est bon, hein, ça repart. Tu vois, au moment où tu vois, depuis qu'on a sorti notre magnifique 3 mâts, eh ben, y a une petite IA pirate qui nous attend à la sortie de la baie. Elle est où? Elle est à bas bord du bateau. Ah ouais, en plus, elle est parquée là. Elle est au drive de Carrefour là, elle attend que ça sorte. Ouais, je crois qu'ils nous attendent, ouais. Ils sont arrêtés. Du coup, tu nous as mis quoi comme couleur de boulet là? Je nous ai mis un truc hiver. Après, si vous voulez que je mette le rouge sang. Ah non, on la met un truc hiver, hein, ça passera bien ouais, avec mais le bateau. Reste sur le thème du bateau. Hein. Ok, le thème hiver. C'est magnifique, ma chérie. D'ailleurs, si on pouvait plutôt lancer des boules de neige plutôt que des boulets. Ah, c'est vrai que ça serait très drôle. C'est plus important. Après, les boulets, ils explosent un peu, ils tuent des gens. C'est un peu quand même. Non, mais ils auraient pu avec le thème Noël qu'ils nous ont pondu. Ah, bah, attends, ça se trouve. Ouais. Attends, go tester. Ça, d'où le bateau ennemi? À bâbord. Ah bah bon. Attention, testons. Bon, ah, ça y ressemble. Hein. Tiens, regarde, je te donne un boulet si t'en as pas. Je vais te charger ton balle. Putain, moi je suis venu voir le bateau, mais du coup j'ai... Oh, ah oui, c'est pas mal. C'est pas tout à fait. Carrément, quand le boulet il retombe, ça gèle l'eau, c'est génial. C'est bizarre. On va refaire le Titanic 2, quoi. Allez. Je crois qu'il... Genre, tu passes un boulet,
Venez, on fait les mégalodons et tout, venez, on fait tous les events. C'est ce qu'on voulait faire, nous, du coup, sur la partie d'avant, on était chaud pour faire un mégalodon, là. À part les galions, parce que les galions, honnêtement, c'est relou. Il faut surtout pas leur tirer dessus. Tant qu'ils ne tirent pas dessus. Non, mais tout à l'heure, on avait commencé à équiper le bateau pour partir faire un mégalodon. Ouais, moi, je suis super chaud. Bah, allez, c'est parti, hein. Allez, boulet, bois. Bah, en plus, avec un galion à 4, je pense que ça devrait se faire tranquille, quoi. Si tu sais coller. Et en plus, si on tire sur le mégalodon avec des boulets glacés, peut-être que ça va le rendre tout blanc et du coup on aura fait la légendaire mégalodon. C'est comme ça qu'il devient blanc, en fait. Ouais, en fait, c'est une astuce. Alors. Je trouve aucun tonneau, ça me saoule. J'aimerais bien qu'on trouve 3 poulets aussi. Ah ouais, les poulets, vivant. Les poulets, ça imite les poulets, on peut les faire à n'importe quel moment. Oui, mais si sur le chemin. On a 31 jours pour les faire. Je grimpe tout en haut du. Ça passe très vite, 31 jours, attention. Tout en haut, il y a des tonneaux, les copains. Mais notre bateau, il va être vu à 3 km. Oh, c'est horrible. Mais non. Alors, Flo, vu que t'es en haut là du bateau, où tu cherches une gamelle dans laquelle il y a un œuf dedans et ça te fera gagner 5 roublons. Ça sert à quoi les roublons? Un roublé. Bah, non, mais en fait, c'est une autre monnaie qui te permet d'acheter d'autres choses. Des choses un peu plus secrètes, tu vois. Des trucs, des vêtements. Je sais plus à qui c'est. Il y a quelqu'un qui avec qui tu peux. Je crois que c'est à l'arina où tu peux. Ouais, à l'arina tu peux lui acheter des trucs avec les roublons. Ok, bon bah ça. En fait, si tu veux t'acheter d'autres. En fait, tu vois, par exemple, il y a des tenues ou des trucs comme ça que tu peux que acheter avec des roublons. Et c'est à celle qui est. Tu sais qui nous attend à l'entrée du. À l'entrée de la table. Ouais. Bah elle vend des trucs avec des roublons par exemple. D'accord. Et toi qui adore les skins, et bah c'est. Le coup, y a d'autres voulez, au pire, vous voulez qu'on fasse une quête légendaire? Si vous voulez, j'en ai. Ah, pourquoi pas. On l'avait fait la dernière fois, non? Quête légendaire, pour moi, soir, ça va être compliqué vu que demain je me lève. Ah oui, c'est un peu long, ouais. Ok. J'ai quoi comme quête dans le voyage? Athéna. Athéna, c'est un peu long aussi. Seuls les légendes peuvent mener l'équipage. 5 chapitres. Ah oui, non, ok. Donc, ça, c'est une. En fait, en gros, c'est un truc, tu vas sur une île. Oh, j'ai déjà fait, vas-y. On a déjà fait des trucs avec toi, oui. En gros, on va sur une île. Après, on va sur une autre île faire une quête. Après, on va sur la même île, on redéterre plus de coffres. C'est que des Athénas, c'est que des trucs Athénas ou des rubis ou des saphirs et tout. Oh, pardon. Donc, ouais, vas-y, au pire, on va pas faire de quête. Bah, on fait le mégalodon. Oh, je suis pas mort, mais c'est génial. Qu'est-ce que t'as fait? Vous savez PVP ou pas? J'étais tout en haut et j'ai cliqué à l'épée. Il y a l'équipement de Noël aussi. C'était magnifique ce que j'ai fait. Il y a aussi l'équipement de Noël dans le shop. Bon, allez. Combien de devant? 500, 571. On va aller voir ça. Bonjour monsieur, oui je vais quand même grimper et enculer mon argent si vous voulez. Alors. Oh, un pack d'armes de Noël. On va pas le faire ça. Il est nul le pack. Ah, il est nul. Par contre. Moi aussi je veux changer mes armes. Si t'en as d'autres, tu peux. Tu peux en acheter aussi. Mais ouais, mais c'est où? Alors attends, je retrouve sur cette île, je sais pas. Ernest. Eh les gars, les gars, je voudrais annoncer un truc. Ah très important. On a passé le cap incroyable des 1000 de ping. Et ça c'est durable. 1000 de ping? Ah. Ah oui, non, mais je suis sur la 4G, hein, rien. Non mais attends, mais 1000 de ping sur une 4G, c'est énorme. T'es sous la terre? Ouais, peut-être que tu t'es dans une cave. Dans une cave, peut-être. Ce que je peux essayer de faire, c'est d'enlever ma queue et de la remettre.
Ernest, ils vont. Ah, mais on t'inquiète, on t'attend, tu rejoins la partie. Hein. Ernest, Flo, je crois qu'ils vendent que des trucs avec des euros. Ah oui, ouais, d'accord. C'est pas de l'argent du jeu. Mais tu cherches quoi? Ils cherchent à acheter des skins d'armes, mais avec d'argent du jeu. Exactement. Pas avec l'argent. Moi, je veux un sabre de folie, moi. Normalement, alors, je crois que c'est là-haut. Un sabre en or. De mémoire, je crois que c'est chez lui. Est-ce que... Attends, je vérifie. C'est Trevor ou pas? Trevor, il vend quoi? Get out of my sex. Alors moi, j'ai tout ce que tu veux, genre équipement, genre des shops, des longues vues et tout ça. Si tu veux. Ça doit être elle. Pourquoi pas, pourquoi pas. C'est ici, ah ouais, c'est là. C'est là. Écoute là. C'est bon, Alex. Ah ouais, les gars, en fait, j'ai un chat différent, carrément. Ah t'as ouais, un en fait, chat. J'ai même pas acheté un skin de chat, j'ai acheté un chat différent. Je me suis dit, mais c'est cher, quand même, pour un skin... Momo 600 crédits. Tu me dis lequel en gros, c'est 5 euros, à peu près. C'est 5 euros, c'est 7 euros, à peu près. Ouais, c'est ça, c'est le prix des animaux. Ouais. En fait, c'est un chat différent, venez voir comment il est stylé. Alors, attends, t'es où Omega, t'es au bateau, là. Est-ce que c'est un chat squelette? Ah oui, c'est qui? C'est Amaury qui avait pris un chat squelette? Non. Non, je crois qu'on l'avait vu dans l'update. Non, on avait dit vu. Qu'il y avait des chats. Il est où? Oh merde. Mais il est bizarre, on dirait. Ah, mais c'est le même que le mien, mais d'une autre couleur. Ah oui, il est un peu. Ah non, c'est de la glace. Non, il est malade. Glacial. C'est un bloc de glace chat. Non, mais j'ai choisi. Il est où? C'est un bloc de glace, quoi. Il est où? Il s'est TP, je crois qu'il est retourné dans son coffre. Attendez. Il est malade. C'est bon, j'ai trouvé mon chat. Je l'ai rename correctement comme il faut. Je vais me prendre une arme aussi, obligé. Est-ce que tu serais pas là? Oui, t'es là. Qu'est-ce qu'elle vend? Attendez, je vais. Ah, mais attends, oh, mais il y a des armes tellement. C'est lequel là, 200 pieds? Il s'appelle Gruge et Froid, mon chou. Il y a des skins qui te plaisent, Flo? Ah ouais, mec, je deviens fou. Tu t'arrêtes sur quoi là? Du Kraken, il est beau. Du Kraken? C'est lequel du Kraken? Le couteau là? Ah, le pistolet? Le troublon? Le tromblon? Non, le pistolet. Pistolet à silex, du Kraken, alors il faut voir lequel c'est. L'arquebuse, il ressemble à quoi? Ah oui, celui du Kraken, il est pas mal, ouais, j'avoue. Et même l'arquebuse du Kraken est pas mal. Et Alex, je te l'avais montré, moi, mon tromblon? Je crois pas. Voilà, moi, mon arquebuse, je la trouve tellement stylée. Faites voir vos armes. Alors, je vous ai tout. En fait, avec un joueur rouge, c'est rouge. Oh, il est joli, oui, Loïc, le tien. Et nous, c'était, tu sais, il a de la flamme et tout. C'est le cul à voir, là. Et toi? Ah oui, c'est celui-là, là. Moi, regarde, moi, je l'ai. J'ai le pistolet. Ah, mais c'est le même. Moi, un tromblon, je suis là. Yes. Et en épée, je joue celle-là, pour moi qui est la plus belle. Ah, moi, en épée, j'ai celle-là, j'ai celle des âmes. Putain, mais moi, j'ai que les trucs de base, en fait. Je suis sûr que j'en ai... Bah oui, mais j'en ai d'autres, mais j'échange jamais. L'épée des âmes, je l'aime bien, ouais. Elle est pas mal. Alex, t'as examiné la cible qui est à côté de toi? Absolument pas. Bah fais-le. Quand t'as fini de changer tes trucs. Et là, j'ai quoi? Voilà, j'ai plus une thune. Comment on change maintenant? Je veux changer. Ben viens là. Ah, voilà, ça c'est beau ça, ça brille ça. Je vois rien du coup, mais ça brille. Allez, on peut y aller, les gars. On peut embarquer dans le bateau. On peut aller tuer le mégalodon. À la conquête of the mer, les gars. À la conquête de thunes, parce que j'en ai plus hérité. Oh mon pote, mais c'est beau. Flo, avant de partir, t'es parti déjà, c'est ça? Non, ouais, là. Regarde, lis la cible. Enfin, on examine la cible. Celle qui est là. Derrière toi. Derrière toi. Ah, ah ouais. Nice, merci. Venez, j'ai levé la voile, venez depuis tout le monde. J'y arrive. Taillez, les gars, taillez. Ouais, j'ai enlevé l'angle tout à l'heure. Allez, les gars, on y va. Hop. Allez, Loïc, allez. Cours.
corps. Allez Loïc, attends, attends, je suis bugué, non, mais je suis bugué, c'est bon. Ah, je te vois, t'es dans l'eau. Là, ah, tu l'as fait par là. On peut baisser les voiles, les enfants, allez, on y va. Ah, j'étais complètement bugué, j'arrivais pas à... Je dis les enfants, mais... Oui, j'ai compris le truc, l'enfant qui dit baisser les voiles, les enfants. C'est marrant. Ah, ça y est, j'ai mon drop. Yes. Ton drop, nickel. Regarde-moi. J'ai le full kit qui est à moi. T'es où? T'es quoi comme drop, Alex? J'ai les gants, j'ai une malédiction. J'ai farm une malédiction parce qu'en fait on en est une en drop. J'ai tellement le démon. Moi j'ai une malédiction, regarde, on a une malédiction de glace. Ah, attendez. Parce que je parle depuis tout à l'heure, mais je vous entends plus. Je sais pas. Non, on est là, hein. On t'écoute. Allô, tu vous entends plus? Ah, c'est bon. Non, c'est moi qui ai bugué. Ah, attends. Attends, pourtant j'ai farm une malédiction. Attends, j'ai drop une malédiction pourtant, je suis venu. Je viens dans mon inventaire. L'eau. Son PC il a dû s'éteindre. Non, sérieux? Bah gros, il a quitté l'équipage et il parle plus sur Discord. Ah, moi je l'ai toujours dans l'équipage. Bah non. Bah moi il apparaît quand tu fais option équipage. C'est normal, mais il a libre en fait. Mais c'est normal que tu le vois encore. En fait. Ah, ok, d'accord. Alors, si le message t'a paru, je l'ai pas. Il y a des gens qui font. Studio pour votre info, si vous voulez savoir. Wankill Studio qui font. Comment ça s'appelle? Tu sais, le jeu où Squeezie a fait un gameplay. Alors, le jeu où Squeezie a fait un gameplay, il en a fait beaucoup, je crois. Ouais, mais. c'est un gameplay, c'était. Un gameplay sur un jeu que tout le monde avait fait là. Ah putain. Le jeu où genre tu choisis ton histoire entre guillemets. Je sais pas, mais je verrai. The Dark Pictures. Non. Ah, je croyais. Parce que c'est à ça qu'ils sont en train de jouer. Non. Ah ok, non, c'est que lui qui est parti. Moi je chasse le mégalodon. Là où Wankill ils font The Dark Pictures Anthology. Les gars, attendez. J'ai eu. Alors, quand même, que tout le monde rassure. J'ai acheté. Oh là là, c'est beau. Slow. La box s'est arrêtée. Ah, carrément, ok. Ah, mais la box, elle est pas gentille. Attends, parce que Frozen Horizon Eyepatch, c'est quoi? C'est un masque? C'est un chapeau? C'est quoi? Eyepatch, c'est un cache-œil. Ah! Et comment la box elle a pu s'arrêter? Oh bah écoute, tu sais, il fait pas beau, hein, ça se trouve. Quoi, petite sous-tension. Voilà, et là, les gars, je suis en full. Enfin, full, ce qu'on peut avoir en. Putain, les gars, en vrai, niveau de. Du coup, là, c'est quoi que t'as eu de nouveau? Parce que les cheveux, tu les avais comme ça déjà? Ouais, j'ai les gants. Ouais. J'ai eu 7 émotes aussi. Mais ça, c'est les trucs de la semaine dernière, ça. C'est le même là du mec dans. Je sais pas comment ça s'appelle. Ah oui, c'est John Travolta, ouais, qui fait. Ouais, mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, je sais pas. Oh, c'est ça. Ouais, c'est ça là. Voilà. Ouais, ça, c'est le truc de la. De les drops de la semaine dernière, ça. Et, il m'en manquait, je sais plus. Et pas tout ce que j'ai farm, c'est les yeux en rouge là. Ouais, ça tu m'avais dit, tu m'avais montré, tu avais fait le screen sur le Discord. Viens, les voiles de devant là. Oui, regarde de la pointe, les voiles sont classe. Ah ouais. Ça envoie, hein. Comme c'est que là on va se faire repérer à 20 000. Mais non. Mais de toute façon, tu vois un mec avec un skin comme ça, tu t'approches pas en fait. Tu te dis, le moi, mec, il est trop bon. Ce qui est pratique, par exemple, sur la barre, c'est que du coup, au moins, je sais où est mon axe. Ah, il y a quelque chose là. J'ai entendu une musique. Non, j'ai rien, moi, Alex. Ah. Ouais. Autant pour moi. On a regardé en même temps. Oh, ce perfect timing de fou. Deux. Oh, mon Dieu. On a regardé exactement en même temps la tornade. Si vous voulez, en vrai, on peut se tenter la tornade en vrai. La tornade, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est le boss là. Ouais, c'est le Ashen là, c'est l'espèce de boss. Si vous voulez.
À gauche, bon, là. on va essayer de voir si Flo il revient à temps. Ouais, Soit ça, soit on se cherche un mégalodon. Ah, bande de noob, parfait, bande de noob. Et là, je prends l'aggro parce que j'ai fait ça. Ah, là, ils sont en train de flipper, hein, les mecs. Là, là oh. Ouais, même le bateau squelette. Ah, tiens, de retour, Flo. Yes. Ah, t'as eu une sous-tension chez toi, il y a l'orage? Non, pas du tout, c'est juste que la prise de la box, elle devait tenir à un fil et. Et ça a plus tenu. En fait, quand Jess s'est mis à gueuler parce qu'il n'y avait plus internet! Non, c'est juste que d'un coup, voilà, il n'y avait pas. Par contre, j'arrive pas à vous rejoindre. Ah, bah, il y a bien quelqu'un qui va t'envoyer une invite. Bah, allez, je t'envoie une invite, moi. Mon équipage. Ah, oui, mais attends, il faut que je vire Flo de l'équipage, peut-être. Mais non. Il peut revenir pendant une certaine période. Alors, normalement, tu dois pouvoir revenir. Alors, en fait, il faut, normalement, il faut que tu regardes. Tu vas sur ton jeu. Tu vas dans le menu. Tu fais lancer. Voilà, tu fais lancer. Et ensuite, je vais sur l'île, les gars. Et il devrait te proposer de rejoindre. Ça va te faire rejoindre la partie précédente. Il devrait te le proposer, ouais. Comme ça. Et okay, après, okay. Tu fais ta. Parce que là, t'es toujours dans le truc. En fait, c'est un anti. C'est pour faire que dans ta situation actuelle, ça fait ce que tu perds pas ta place, qu'un mec peut pas rejoindre ta place. Ça te réserve ta place pendant 5 minutes. Hein. Et après, vous avez déjà une drop des squelettes gold? Ouais, des squelettes d'or, oui, on en a déjà eu ça. Ah, les gars, attends. L'île où je suis, elle est marquée ou pas? Attends, mais t'es où là? T'as ouais, sauté du bateau? Alors attends. Elle est pas marquée. Oui, n'est pas. Elle était de quel côté du bateau, l'île? Elle était à droite, là-bas. Est-ce que c'est un fort ou pas? Non, c'est une petite île. Alors non, elle y est pas sur l'île, la carte. Ok, bah ça veut dire que j'ai une épave. Ça veut dire que c'est un endroit pour faire une fable ici. Donc vous notez, c'est quoi les coordonnées à peu près aussi? Ça doit être. Là, je suis à peu près à 2-3 cases. Il doit être N13, je pense, à peu près. À peu près dans les L13, c'est-à-dire qu'il y a une île, il devrait y avoir. C'est-à-dire qu'un jour, si vous faites une flab et que c'est dans les moyens d'L13, vous savez que c'est là. Bon, après la mémoire. Oui, c'est ça. Non, moi je me le suis fait graver. Hein. C'est un tatouage. Demain, je me le fais tatouer L13. Ouais, c'est la toute petite île là où il y a. L13, c'est genre t'écris un truc en connaissant MS. L13, c'est fable. Qu'est-ce qu'on fait là du coup? On cherche un kraken. Par contre, là on va sur des rochers. Donc. Va à tribord, à fond à tribord. Je suis là, les copains. Commence à redresser, commence à redresser. Et regardez mon sabre, regardez. Et regardez tout. Là, un peu plus à tu peux faire comme ça. Et clic gauche. Clic droit, pardon, clic droit. Ah non, fais un clic droit. Oh. Ah, sympa. Et regarde. Moi aussi. À gauche les gars, à gauche. Direction, tu vas sud-sud-sud-sud-est. Sud-sud-est maintenant. Ouais, du chez les voiles. Creux, j'ai froid. On va se prendre les deux. Ouais, non, redresse, en fait. On va se taper l'île, on va rien comprendre. Ouais, vas-y, redresse. Ça passe, ça. Non. Si? Ah non, bah non, parce que là, si tu continues à gauche, on est mort. Mais non, t'inquiète, je vais. Je maîtrise pas, on te met sur la planche, ok? Par gauche, tu veux dire à Baba? Ouais, je t'ai pas bougé ta putain d'île. Bon, moi je vais faire un petit feu d'artifice sur l'île là, je vais aller voir. Je vous laisse regarder l'île. Bon, on va rien voir, il fait jour. Bon, ça va pas être bon. Je quitte la barre pour voir le feu d'artifice, donc t'as intérêt à faire vite. Vous voyez là où je suis? Vas-y. Ça va pas être ouf, mais voilà quoi. Vous avez rien vu, c'est ça? On a rien vu, ouais. Ouais. Nul. C'est génial. On est trop loin, je crois. Il est où ce putain de. Du coup, on fait quoi? Parce que moi, je. Ah, le mégalodon. On cherche le mégalodon.
Soit c'est Mégalodon, soit on va faire le boss qui est à ta gauche. Ouais, faut, c'est comme tu veux. Sinon on va sur l'île et on se bat contre un, bah, un boss. On va sur l'île, on se bat et voilà. Et en vrai, comme on aura du loot, on risque d'avoir un Mégalodon. T'es chaud? C'est du loot, c'est du fric, de la monnaie, de l'oseille, tu connais, gros, tu kiffes. Moi je suis chaud parce que j'ai plus une thune alors et comme j'ai envie d'une proue maintenant parce que je suis full stuff. J'ai 1 900 000 moi. Ah ouais, ah, mais c'est. Ah mais c'est sur cette île qu'on était venu déjà se battre autrefois. Ah ouais, il y a pour moi, il y a pour moi. Alors par contre attention parce qu'il y a des petits rochers dans l'eau. Ah oui. Bah là tu me guides alors. Ils sont juste en face de nous. Ils sont juste en face. Maintenant, va à gauche. Va à gauche. Va complètement à gauche. Complètement à gauche maintenant. Complètement à gauche maintenant. Complètement à gauche maintenant. C'est trop tard maintenant. C'est trop tard. Trop tard. Bah, il faut le tourner le 4 mains, le 3 mains. Il faut aller faire complètement à gauche. Tant pis. Tant pis, tant pis. Oui. Il y a les chats qui gueulent. Je sais pas comment je fais pour remonter moi. Ah non, non, ça va. Il y a des chefs. Je répare le bateau. Je vais aller à la répa, faut y aller. Ouais, je suis à la répa, t'inquiète. Ah, c'est là tout à l'heure où j'ai volé un loot. Le bateau est tout neuf. Parfait. Il y a pas un dégât. Ah, ça brille dans l'eau là. Où ça, ça brille? Non, mais c'est toi qui m'en regarde. Et le bateau est divisible à 8 km. Ouais, il est vachement loin le bateau. Commencez si vous voulez à vous battre, je le rapproche. Ah oui, oui, vas-y, tout en dessous. Ouais, je rapproche un peu le bateau. Captain Green. Captain Green. Alors, la caisse de mine, je vous montre où elle est là. Normalement, sur cette île. Non, elle est là, ouais, elle est là. Vous voyez, donc on va avoir besoin beaucoup du tromblon. En fait, t'as un boss. Tu vas devoir taper, il va y avoir 3 vagues. Là, tu vas pas te battre, Loïc. Tu vois. Si, si, 2 secondes, je réponds un texto là. Le team de quand il change il n'y a pas de texte dans la piraterie. T'es trop RP, Loïc, Je comprends pas, bordel. Attendez, capitaine, je réponds un texto, j'y vais. Non, mais attendez, il est super loin de l'île. C'est pour ça, je ramène le bateau. Allez vous battre, je ramène le bateau. Maintenant, je viens avec toi. Tu vas pas faire ça tout seul. T'inquiète, va te battre. Ah, les squelettes, tu les bats en 2-3 coups d'épée, c'est très simple. Non, 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 je vais pas me battre, moi je bouge le bateau. Ah, par contre, les gars, il y a un squelette qui vient nous tirer dessus avec un. Sur la hauteur de l'île. Je sais pas si je peux le choper au snipe. Y'a un canon Ouais, y'a un canon au-dessus de la cascade là. Allez, je vais avancer un petit peu, Loïc. Je vais baisser un peu la voile. Il est au-dessus de la cascade, c'est ça? Ouais, au-dessus de la cascade. Ouais, c'est bon. Ah, mais y'a personne, c'est pour toi de la chance, c'est pas de soucis. Ah, bah alors je l'ai niqué au sniper. Oh. Mais non. Ah, GG. C'est juste que j'ai pas vu le truc exploser, mais j'ai dû le toucher alors s'il est plus. Regarde-moi ça. Ah si si, il doit être toujours yet, il vient de nous tirer dessus là. Non, c'est moi, t'inquiète. Ah, c'est toi qui nous tire dessus, d'accord, ok. Ouais. Ah, c'est toi qui est en train de détruire notre bateau et qui est en train de couler. Ah oui. Ah, il y en a un autre sur la plage d'ailleurs. Flo. Il est où? Ah. Ouais. Il doit y avoir un canon sur la plage, non? Il commence à bégayer dans ce mouvement là. Ouais, je remonte la voile. Mets le droit le bateau. Je vais tirer les harpons. Ah, remarque, non, je vais tirer l'ancre plutôt. Tu les two shot ou les three shot, je crois? Ouais, tu les three shot. Tu les three shot même. Ouais, je suis mort. On est pris, Alex, là. Ah, bouge pas, bouge pas, je vais te réanimer. Là, on est bien. On est bien. Y'a pas de soucis. Prêt à la bagarre. Allez, c'est parti. Oh, yes, nickel. Merci, mec. Tiens, il fait nul ici. Ah merde, je peux pas réanimer ici. Non, c'est pas grave. C'était vraiment le bataillon. T'inquiète. Ah, tu balances des incendies, Alex, là? Ouais, je l'ai lancé juste au-dessus de ta tête. Et c'était... Non, c'était un alors explosif. Moi, attends, Monty, je lui envoie une noix de coco. Ça a pas marché. Merde. Je me suis trompé de touche.
quand je vous lead le rush. Rushez-le, tout le monde le rush. Allez, paix. Là, on le met l'eau pour la prochaine vague, là. Prochaine vague, là. Il y en a trois. Ouais, mais là, on attaque la deuxième. Ouais, là, c'est la deuxième, là. C'est bien qu'il va faire. Ok, c'est quoi ce squelette de sang là? Alors tu mets trichotte sur tous les jeux. Trichotte. Ouais, ça va encore. Mais c'est la première fois que j'envoie des squelettes de. Ouais. J'en ai pas vu souvent aussi. La caisse de mine, elle est où? Elle est à quel endroit ici? C'est ce que j'allais dire, vous avez vu une caisse de mine ou pas? Là, sur moi. Ok, ça marche, merci. Souvent le boss pop à près de toutes les demi-heures que tu vas faire. Ouais, c'est ça pour les devs. Hein. Il me faudrait. C'est de la bouffe, merci. Alors, quand tu lances des boulets incendiaires, préviens avant. Je suis mort, quelqu'un peut me réanimer si ouais, c'est possible. Ouais, je suis dessus. Ah, oh, je suis dans le mec, carrément. Là, c'est beaucoup. Ah, bah, je suis en train de me faire défoncer le. Ah, je suis mort. Je vais pas aimer, je suis dans les plantes. Je vois la nuit noire. Ouais, il va être rapide, mais à calme. Oh, je t'ai éjecté, mec. Ouais, il m'a complètement éjecté. J'ai tapé des squelettes dans la nuit, c'était très drôle. Je savais pas où je tapais, mais en tout cas, je voyais que ça mourait autour de moi, c'était très drôle. C'est sympa. Ah putain, mais d'où je me suis fait niquer moi? Y'a un squelette derrière moi, non, peut-être? J'arrive. Je suis mort, les copains. Je suis l'ambulancier, attendez, l'infirmerie. Aïe! Ouais, non, ça va pas le faire. C'est bon, je me suicide, ah, barrez-vous. Oh, ok, je suis mort aussi. Ok, on est tous morts, non? Bah, d'un autre côté, ils étaient à peu près 20 squelettes là. Ouais, c'est ça, ils étaient un bon paquet, ouais. Putain, mais c'est chaud comme boss. Ouais. Et encore. La troisième vague, elle est sympa la troisième vague. Bah moi j'en ai pas vu une seule entière pour l'instant. Bah la première elle est tranquille, y'a pas grand chose. Ok. Là on est à la deuxième. Non mais du coup on repop au même endroit. On repop dans le bateau. En fait si tu veux on change d'île quand c'est le bateau qui coule. Ok d'accord. Quand ton bateau il coule pas, tu repop juste dans ton bateau et puis voilà quoi. Et c'est très bien. Mon chat il ne suit pas dans le bateau. Il y a je crois qu'il y avait un tonneau explosif par là-bas la dernière fois. Ça veut absolument rien dire, mais. En vrai, le PC il est très clean là. Je sais que je suis quand même à 130 FPS. Sérieux? C'est pas mal. Ah oui, c'est pas mal lui. Après, je suis pas du tout en ultra. Hein. Pour te dire les graphismes actuels, je suis en ordinaire. Ok. Moi je sais pas ce que j'ai mis comme réglage. Ah voilà, il y a un tonneau explosif là. J'ai un baril de poudre, je vais venir avec. Ah bah c'est le sur. Non, vos canons, les gars, surtout vos canons, parce que. Non. En gros, si on le pète au canon. On va nous attaquer le bateau. On va attaquer le bateau. Attends, les gars, c'est qui a fait péter un baril explosif? Pas nous. Ok. Non, il est dans ma main, il y a un requin dans l'eau, mais moi je. Les gars, allez à la répa, allez check la répa. Et éloignez, c'est lui, éloignez, c'est plus. Attends, il y a le bateau qui a. C'est bon, j'y suis. Ouais, c'est bon, y'a personne, y'a rien, y'a aucun. Essayez-le d'éloigner le boss, parce que là, ouais, y'a un rookie qui me pourchasse, des squelettes, c'est la faune, là, j'ai 20. Ça va péter, vous approchez pas de lui. Vas-y, fuis, va très jeune. Ouah, j'ai 40 squelettes sur moi, les gars. Fuis, c'est pas grave. J'en ramène un petit peu.
Pensez à vous éloigner pour vous heal. C'est un marathon, il faut tenir. Alors, sur la distance. Ouais, il y a de la bouffe dans le coin là. Il m'a éjecté. T'es mort ? Moi ou pas ? Non, je suis pas mort, mais. Ok, ça va. Il toi. Les gars, surtout taper les squelettes avant de le taper lui. Ok, on tape, on tape, on tape, on tape. Allez, tapez-le lui et je tape les squelettes autour. C'est bon, y'a plus de squelettes, chopez-le, chopez-le. Alors faites gaffe, regardez le ciel, on peut voir une tempête de boue. Ouais, Flo, faut que tu fasses gaffe là. Ça va, le ciel va te tomber sur la tête. Voilà, parfait exemple. Ok, je suis mort. Alors attends, je vais essayer d'arriver. Ok, tu vas. Ouais, j'y vais. Oula, oula. Wow, wow, wow. Non, ça va pas être possible. Ça sera pas possible. Ah putain, ouais, j'ai pris. Je me suis pris 2-3 météorites, le geyser. Et le combo parfait, quoi. En fait, c'est dû à quoi que le Cyberpunk bug, en fait ? C'est juste que les devs ont mal pris ? Ouais, ouais, c'est une mauvaise optique des devs. Mais c'est pas vraiment leur faute, hein. Les mecs ils avaient pas le temps. Les mecs ils ont fait un putain de jeu parce que c'est pas un gros studio non plus, c'est des Red Project, c'est un petit studio polonais. Non, non, c'est pas un studio indé, hein. C'est quand même. Les mecs ils ont fait Witcher 3, tu vois. Mais c'est juste que voilà, le jeu il a été fait pour fonctionner sur PC. Et ils n'ont pas eu le temps d'optimiser pour que le jeu fonctionne bien sur les anciennes consoles. Parce que ça demande beaucoup plus d'optimisation. C'est l'optimisation mémoire en fait. C'est à partir du moment où la mémoire elle est saturée, ça plante et ça fait redémarrer la console. Enfin, ça fait planter le jeu tout simplement. La mémoire qui plante tout ça, tu connais bien. Bah en fait voilà, c'est exactement en fait c'est le même problème. Toi en fait ton ordi est planté parce qu'il pensait qu'il avait 16 Go de RAM et du coup dès qu'il écrivait sur des zones qui marchaient pas, ben ça faisait planter le jeu. Enfin, ça faisait planter ton ordi. Et là c'est un peu la même chose avec le jeu, c'est que ça bégayait le boss, hein. Le boss il bégaye, il est pas bien. Le jeu en fait, il essayait de stocker beaucoup de mémoire dans pas beaucoup d'espace de mémoire. Et donc ça plantait. Oh, je vais mourir. Oh, j'ai trop brûlé. Je connais cette phrase. Je vais mourir. Je vais pas finir ton service. Non, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, je vais dans le bateau. Ah non, il y a Omega qui arrive. Barre-toi Omega sinon. Il y a du squelette qui pousse autour de toi. T'es mort ou je t'avais animé ? Non, non, tu meurs rien. Oh merde. Tu veux les squelettes bien parce que. Comment ça tu peux plus attaquer? Non, je suis en support sur toi, les gars. Hop. Dis-le Loïc quand t'es mort. Hein. Oh non, je préfère que vous vous concentriez sur le boss que de venir. Non, non, mais c'est un marathon, il faut qu'on attaque à plusieurs, ça sera plus efficace. Ah, bon, j'avais plus de vie, j'avais plus de mûres. Bon, elle est morte, je crois. Ouais, bah les mûres, tu vas en chercher. Ouais, mais la vie, c'était compliqué là. Attention, c'est carte. Ça, je te dis, quand t'as pas beaucoup de vie, des fois ça vaut pas le coup. Des fois, quand t'as pas de vie, non, mais tu vas rechercher de la bouffe. Il y en a plein dans les tonneaux sur l'île là. Oh non, je vais encore mourir. Mais si tu sens que tu es faible en vie, cours, tu t'éloignes et tu vas te chercher de la bouffe. Non, je parle à Flo. Mais là, vous m'avez vidé tous les tonneaux. Toi, je sais que tu sais. Après, va en chercher. Il y en a plein sur l'île des tonneaux. C'est pas con du tout ça. Il y a Mozart qui fuit le combat, grosse merde. J'ai plus d'HP mec. Ah,
vais chercher un... Ah bah c'est bon, il est mort. C'est pareil dans le gaffe, alors j'en mets toujours, il y aura du stuff qui va apparaître un peu partout. Ouais. Ah il est mort ? Ouais, c'est, il est mort. Ah, du coup Flo, reviens, il est où Flo ? Je suis deg, ouais, je suis là, j'ai loupé la fin du combat, je suis trop deg. Y a rien d'exceptionnel. Alors en gros le gars a fait, ah parce je suis mort. Au secours et voilà. Et c'est, non vraiment c'est vraiment de la merde. Honnêtement y'a rien. Coffre de rage. Le coffre de rage se met dans l'eau. Ouais. Il est pas assez dans l'eau. Attendez. Mais le bateau prend feu. Oh, j'entendais du bruit de feu les gars. On fout le. Le bateau prend feu là. Il y a quelqu'un qui fout le feu alors. Bah c'est le coffre de rage à mon avis. Impossible, je l'avais pas entendu. Il était trop loin de l'île. Il y a pas quelque chose. Coffre de rage, Ah bah après c'est. Non mais c'est... Plage, c'est possible qu'il y ait la... Ah mais attends mais on coule en fait, je viens de me remarquer. Mais c'est pas possible qu'on coule alors qu'il y a... Mais il y a des trous, il y a le feu depuis tout à l'heure. On a vraiment voulu mal placer. Laissez un peu d'eau au fond, remets. Ouais mais on remet après. On éteint le feu d'abord, après on remet peut-être. Où est-ce que je peux vous aider? Bah éteins le feu. Déjà, ouais, Flo, viens avec moi, on ramène les coffres à côté. Bah alors ramenez les coffres sur de la plage. On les met à côté et on les prendra voir. On éteint le feu, après on met de l'eau au fond, c'est pas un souci, mais. Sans juste que le bateau il brûle pas plus quoi. Là, toi qui voulais te faire dessus, si on arrive à ramener tout ça, ça arrive. Nickel. Ça brûle encore quelque part. Sur le pont, non? Ouais. Hop. Ok, remettez l'eau au fond. Alors, allez. Vous allez dans la mer. Ouais, je vais chercher de l'eau dans la mer. Merde, il est où, c'est quoi? Oh putain, je lag, c'est insupportable, je suis pas trop sûr. Ok, les gars, là, ça commence à être nickel pour le coffre de rage. Quelqu'un peut me passer le coffre de rage? Faut le mettre sur la plage au niveau d'air. Ça y est, c'est fait. Hein. Il est où? Je le vois pas. Il est dans l'eau? Il est à moitié dans l'eau. Ah ouais, je vois. On dirait que je viens de commencer le jeu. Il est juste là. Hop, dans ma main. Tu le mets directement dans l'eau au fond de la cave? Ouais, au moins il brûle pas. Ok. Voilà, là il brûle pas. Parce qu'en fait, le coffre de rage, à un moment, il s'énerve et il explose. Il fait une grosse boule de feu. Il y a toujours des trous, attends, je Ah, il y avait des trous dans le bateau, putain, j'avais pas vu ça. Oui, il y a des trous, je pense. Nickel, j'ai trouvé le trou. Ouais, mais tout ce qu'il y a, mais on va être pété de thunes. Ah, on va être pété de thunes. Une île dans un coffre, nickel. Attendez, chut. Il y a encore un trou, les gars. Trouvez-le et réparez-le. Ouais, j'arrive. Oh, vas-y, reste sur la plage, j'y suis sur le bateau. Vous avez tous rentré sur la plage, ouais. Bah nous avec nous, je crois qu'on a fait le tour, y'a plus rien. Ouais, je crois que... Non, y'a plus rien qui brille, là. Ouais, y'a pas de trou, là. Peut-être dans le deuxième étage. Non, mais le deuxième étage... Ouais. S'il est pas dans l'eau, le deuxième étage, ouais. Donc tu risques pas. Bon, bah c'est bon, c'est nickel. Quelqu'un pour me rattraper les coffres au harpon? Yes. Moi je me casse avec le bateau. Il est rigolo le ciel au-dessus de nous, il est tout violet. Ah putain, c'est le feu qui s'est ramassé. C'est exactement ce que je voulais. C'est quoi que tu voulais, Flo? Que je le ramasse au harpon. Ah bah c'est sûr que c'est légèrement plus rapide. Oh, ça vaut super cher, regarde. Vos orgues ouais. Non. S'il vous plaît. C'est méchant, c'est vilain ça. C'est quoi? J'ai cramé la tronche avec le crâne. Je l'ai brûlé avec le crâne. Par contre, faut pas trop le faire parce que au bout d'un moment. Attends, je suis plus là pour rattraper. Parce que si vous le faites trop, bah il perd beaucoup de sa valeur. Ok. Loïc, en gros, il peut pas tu peux me choper ça. Merci. Ils ont abandonné dans leur. Bon bah c'est bon. Je crois qu'on a tout.
Ouais, c'est bon, ah, non, il reste pas un petit truc là. C'est un cochon. Un cochon. T'as chopé un cochon. Hein. Sérieux. Vous les mettez où les coffres? Ah, moi je les mets à l'avant du bateau parce que c'est stylé. Ça brille un peu partout. Comme ça au moins les autres ils voient bien qu'on a des coffres, voilà. Et ils vont bien nous péter la gueule. Non, en fait, ouais, j'ai pas besoin de voir qu'on a des coffres pour voir qu'on est là. Hein. Yes, sont sur je viens de tuer un cochon au harpon et j'ai récupéré la viande. Parfait. J'ai calé un crâne à un endroit impossible. Je vais le faire cuire le cochon au harpon. Sur la proue, bâbord. Attends. J'ai calé là le crâne. Ah mais non. Non, mais normalement j'y arrive, mais avec du ping ça me TP. Ça c'est une cachette pour l'infiltration, surtout avec ce truc, regarde, voilà. Là, il y a moi je m'infiltre tellement bien, toi tu regardes. Donc là tu vas là. Et tu te mets là. Et là t'avances. Et là t'as ton tombé. Voilà. Et tu t'empiles sur la proue, c'est ça? Ah ouais, bah là mec, c'est moi quand je kiffe. Ah attends, je suis en train de remonter là. Salam. Alors, on a besoin d'un pilote et d'un cap. Alors, le pilote, il est là-bas. Et le cap, je sais pas où vous voulez aller. Dans un avant-poste. Au premier poste avancé qui est à côté de toi. Et comment je sais que c'est un poste avancé? Il y a marqué avant-poste. Un avant-poste, c'est écrit dessus. Avant-poste. Alors, il faut que vous alliez un peu nord-est. Ouais, dans cette direction on est bon. Là on est bon? Ouais, on est bon là. Alors baisse une voile Loïc, juste une. Celle qui est derrière toi par exemple. Attends, il y a un... Ouais. Comme il y a des rochers devant, je vais essayer de... Si tu baisses juste une voile, on y va doucement. Au moment on devrait passer là. Allez-y, je vous guide. Hein. Ouais, voire même une deuxième voile en fait. J'entends des squelettes, c'est normal. Oui, oui, mais il y a des squelettes avec des... Mais non, c'est pas normal, Flo. Tu entends des voix, Flo? Arrêtez la drogue. Bah, Flo, si tu veux parler, on est là. Je vous emmerde et je rentre à ma maison. Rien que pour ça, je vais prendre le grappin et je vais choper le mec avec la bombe. On est bon. Ah, j'y retourne. Il est beaucoup trop le fort. Va un peu plus sur nord-est. Allez, nord-est. Tapé. Encore un peu. Un peu à l'est. Je garde le cap. On est pas mal. Oh putain, sérieux. Kraken. Ok, tout le monde, prenez 10 canons chacun, 10 boulettes chacun, on y va. Flo. Tous au canon, les gars, tous au canon. Est-ce que je mets la barre dans une certaine position pour qu'on sorte? Alors, il faut que quelqu'un soit au bois aussi. Au cas où. Je vais réparation. Si vous voyez qu'on se fait attaquer, qu'il accroche le bateau avec... Une branche niquée les gars, j'ai fait du beau travail les gars. On dirait un vieux bon sur le colo de vacances. Voilà, là c'est ça. Pourquoi réparation. Ok, vous nous dites si un moment... Putain, le coffre de rage il est en train de me brûler parce que c'est de l'explosion. Je vois pas les trucs. Une branche morte les gars, une branche morte, encore une fois. On gère les gars. Nickel. De l'autre côté, de l'autre côté. On voit le déglinguer ce tracé de merde.
Ok, ça veut dire pas, ça veut pas dire qu'il est mort encore. Non, 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 tant qu'il est là. Hein. Combien il faut en tuer de branches? On sait pas. On veut pas. C'est aléatoire. Ça va faire depuis que j'ai repris le jeu que je peux être tranquille. Alex, il maîtrise. Ouais, j'en ai tué un tout seul de côté. Attention, ça arrive, les gars. S'il attaque le bateau, laissez-le l'accrocher et vous le tapez avec l'épée. On a plus de boulets dans le coffre à boulets. Hein. J'ai plus de boulets. Il en reste pas, possible. J'ai plus de boulets. J'ai plus de boulets en fait. Il y a une pièce de boulet à la fin de la vidéo. Je suis mort et on coule. On coule ? Oui, on coule parce qu'il nous a attaqué et le problème c'est que l'eau elle est chaude. Alors on va, il faut sortir l'eau. On a 31 boulets à l'avant, 31 boulets à l'avant les gars. Je gère, c'est bon les gars. Vous êtes pas obligés de venir. Allez, sur le pas. Ok, encore une grosse marque les gars. Loïc, si tu peux pas réparer le bateau, vide l'eau. Mais là je suis mort Alex. Ah, bah alors bah du coup je vais le faire. J'ai prévu hein. Ouais non mais j'ai pas entendu que t'étais mort. Là ça va être bon là. Omega, gère le Kraken, moi je m'occupe de l'eau. Nickel, les gars, GG. C'est bon, ouais. Ouais, par contre, il va y avoir masse loot, donc on met l'encre, les gars. Mais non, c'est fait un Kraken. Ouais, 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 c'est Kraken, c'était rapide, hein, par contre. Bah ouais, bah écoute, on gère. Hein. Bah la dernière fois qu'on avait fait un Kraken, il Alex, est, le loot Alex, il est derrière, hein. Je vais le chercher. Alex, la première fois qu'on avait fait un Kraken, on s'était fait. Pourquoi ouais, bah parce que la première fois on savait pas comment faire. Là, Omega il sait faire, moi je sais faire. C'est normal qu'il y ait de l'eau. Videz l'eau. Vous prenez un seau et videz l'eau. Flo, tu vides l'eau avec le seau. J'arrive, les gars, j'arrive pour échauffer, les gars. Cherche pas à comprendre. Tu prends l'eau, tu la sors du bateau. Ah oui, ça grince. On est limite au deuxième niveau là ou pas? Oui, quand je suis rentré dans le bateau, on était deuxième niveau. Récupère l'eau, vous la jetez dehors, tout ce qu'il y a à faire, c'est ça. Après, on verra pour la répa. Donc, parce qu'en fait, on a tapé le. Laissez de l'eau pour le coffre de rage. Laissez-moi de l'eau pour le coffre de rage. Mais vous allez rien comprendre, les gars. On va mourir un instant. Au pire, on le jette. Okay, là, il nous faut plus d'eau pour le coffre de rage. Bah laisse, ça va se remplir. Nickel, là c'est nickel. Ouais, un peu plus, ça peut le faire. Non, il y a deux, alors, ok. Il y a le feu. Pourquoi il y a le feu? Putain, t'es trop. Allez prendre de l'eau, si j'ai de la merde, allez prendre de l'eau. Dans la mer. Du coup, sinon, on va exploser. Là, par contre, c'est la merde. On est de la mer, c'est... Putain, ça c'est la cuisse de poulet d'Alex. C'est vrai. Bravo, Alex. Hein. C'est mon cochon. Je sais pas. Putain, il est cramé, le cochon. Omega, il faut de l'eau encore. Il faut qu'on prenne de l'eau encore là. Ouais. Du coup, il y a eu du loot là, du Kraken ou pas là? Alors, moi j'ai ramené un crâne. C'est à l'arrière du bateau. Mais c'est loin, c'est pas à côté. Il y avait pas de la viande de Kraken? Ah, peut-être, mais pour le moment, j'ai récupéré qu'un crâne, c'est pas à côté. Hein. En la gros, nage. Ils sont à chaque fois à chaque tentacule. Ouais, comme on avançait en même temps, là les loot pour les voir. Ah, j'en vois un. J'ai le boxon de l'eau de la nage. C'est la première fois qu'on fait un kraken aussi vite. La première fois que j'ai fait un kraken, j'ai cru qu'on allait pas s'en sortir. Est-ce que vous arrivez à faire. Faites demi-tour avec le bateau et rejoignez ma position. Ouais, demi-tour. Remonte les voiles. Ouais. Levez l'angle, surtout, c'est bien. Ouais, mais si tu remontes les voiles comme ça, on tourne plus vite, vous avancez pas en même temps. Si je vois des loots, essaye de les remonter à la surface, prends-les et relâche-les, sinon ça va. Ouais, mais elles sont à la surface, hein, t'inquiète. J'ai du Kraken, j'ai la caisse de Terrar là. Les gars, je crois que la plus chère la voile. Ah non. Arrière. J'ai masse de trucs là. J'ai encore du Kraken. J'ai quoi d'autre? Moi, j'ai. Bon, j'ai masse de trucs, non, j'ai pas masse de trucs par rapport à ce qu'on vient de choper, mais. Faut que vous remontiez les voiles, sinon vous allez pas tourner vite. Hein. Ouais, t'inquiète, je remonte les voiles. Bah, c'était nickel ça. Ouais, mais là il faut arriver à tout revendre avant qu'on se fasse. Vous allez remonter les voiles. Eh, ça faisait longtemps que je voulais pas faire un kraken. En vrai, de vrai, c'est super longtemps. Moi, c'est cool.
Ah non, 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 ça fait. Ah, ça mais fait du coup, on a dû débloquer le truc là où on devait servir un Kraken. Regarde si on a débloqué. Alors là, je regarde pas grand chose, mais je suis en train de nager donc. Quel truc? Il fallait tuer un Kraken ou un. Vous arrivez là ou pas? Je vois toujours les voiles, vous remontez pas les voiles là. T'inquiète, on est. La barre est full à gauche ou pas? Oui. Full à droite. Ouais, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Bon. J'aimerais bien trouver un tonneau avec des planches. Mais c'est bizarre, on dirait qu'il y a encore la marque du Kraken, de l'eau elle est presque noire. Oh putain, il y a un requin. Ah le bâtard. Toi, tu vois que tu vas. Tu crois que tu vas me niquer, toi? Je pense pas que le jeu. Est-ce qu'il y a un Kraken légendaire tout blanc? Tu crois que tu vas me faire la peau, toi? Alex, t'es où? Ah, t'es là. Je viens de tuer un putain de Kraken et tu crois que tu vas me tuer? Bon, je répare le bateau en attendant, les copains. Il est fou, lui, non? On a karma. Par contre, si vous pouvez vous dépêcher, je commence à avoir froid. Okay. Ben après faut qu'on c'est le mec trop RP. Ouais, j'en ai un peu marre de nager et il y a des bruits bizarres. On vraiment un bateau pirate là les gars? De quoi? On se rend un bateau pirate, c'est une blague? Mais oh, non. C'est impressionnant, c'est une meuf de malade. Il faut tirer là. Il faut tirer ou pas? Là, bon, là, on abandonne le Kraken, on abandonne tous les trucs. Bon, moi je cherche un avant-poste. Ouais. Je vous laisse vous démerder, mais je cherche un avant-poste. Ouais, vas-y, vas-y. Les gars, par contre, on va ralentir. Laissez la voile comme c'est excellent. Avant-poste à tribord. L'île qu'on voit, c'est à tribord. Ah bah, vas-y. Ah putain, ils nous ont enlevé les canons, les bâtards. Canon, je suis avec toi. C'est qui va là? Ça va harponner, les gars, ça va harponner. Quelqu'un arrête pas là parce que vous êtes tous les trois en haut, il y a un souci là. Ouais, j'y vais alors. Mais c'est des bâtards, arrête. Je me rapproche de l'île, c'est un avant-poste qui est à droite devant nous. Les gars, non, si tu vas falloir faire le coup là. Parce que là, on va avoir du coup là. Ouais, mais là, on est chargé comme pas possible, c'est du. Je pense que ça va être chaud hein, de couler avec 5 boulets. Putain. Vers quoi là les copains? Alors là avec DK on va les couler. Alors on vous montre on peut saler là. Oh merde. Qu'est-ce qu'il a fait? Ok, un bateau explosif. Et ok, les gars, arrêtez-vous, faites du truc, oui. J'ai un baril explosif. Des cailles? Ouais, non, je suis dans leur bateau, vas-y. Je pense que les musulmans disent pour célébrer Dieu, mais je vais pas le faire. Hop. C'est bon. Allez, faut que vous y allez là. Faut qu'on aille. Normalement, là, ils ont coulé, hein, le bateau se fait, a coulé. Ils avaient la première cale qui était remplie déjà. Ouais, j'aurais fait plus un baril, donc là, c'est pas mal. Ben la première cale coulée plus ton baril, à mon avis, ça suffit, je pense. J'espère. Ouais. Qui c'est qui est en train de vider l'or? Ah, c'est bon. Ah, j'ai tous les trucs qui pop là. Vous avez terminé un objectif d'événement. Hop, j'ai. Ah, peut-être parce qu'on a coulé le bateau là. Il est coulé là, je trouve pas, les gars. Non. Non, je crois que c'est l'objectif du Kraken à tuer qu'on a débloqué. Faut que je viens d'avoir, ouais. Et il nous attaque encore ce PD. Ouais, mais il s'arrêtera pas. Comment la cale là? Normal, je pense qu'on va. Oh les gars, il nous attaque encore. Je vais sur l'île. C'est pas normal, c'est pas normal. Je vais sur l'île chercher des boulets. Et du bois. Mais allez vous faire en dessous, vous. Qui a mis l'encre? Il y a quelqu'un qui a mis l'encre? Qui a mis l'encre? Non, c'est moi parce que là j'arrive pas à suivre parce que le bateau on s'est encore pris des. Voilà, au repas je pense qu'on a. Bon, ils vont arrêter l'aggro, non, il n'y a plus l'aggro du bateau.
Non, mais c'est juste qu'en fait, du coup, je veux qu'on aille au moins vendre ce putain de coffre de rage. Allez, vendre le coffre de rage et le crâne, et après on vendra le reste. Le crâne, l'espèce de crâne qui brûle là. Je sais pas où. C'est plus important, les gars. Bah oui, mais c'est parce qu'en plus. Il y a la vente du bateau, tout à la vente du bateau. Si, si, de rage si. Au collectionneur. Ça va couler, la soupe est en train de bien tout couler normalement. Je suis jamais. Non. Je suis en train de mettre le feu à leur bateau donc. Voilà, 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 c'est bien, c'est bien, c'est bien. J'ai trouvé un drapeau. J'ai trouvé un pavillon de. Un pavillon quoi? De quel niveau? Quel niveau? Niveau 3. Quoi j'ai pas fait gaffe, j'y retourne juste après. Mais il faut pas partir de cette île. Je me mets au repas. Mais j'ai ramené quelques boulets. Mais non. Allez, j'ai coulé les laits. J'ai ramené des boulets, les gars. Oh putain, fait chier là. Alors, ce qu'on va faire, on va rester sur place, je pense qu'il faut pas le faire partir le bateau. Loïc. Ouais. Toi, occupe-toi des ventes. Oui. Omega, occupe-toi de leur tirer dessus. Moi, je vais aller chercher du stuff. Dans leur bateau, là. Je suis dans leur bateau. Ah, tu es dans leur bateau. Ok, Flo. J'ai un HP, au secours, à l'aide, aidez-moi, au secours, je me canonne sur l'île, au secours, j'ai rien dit, je suis gentil avec vous. Ah, les salons. Flo, moi, je répare le bateau, voilà, les gars, désolé, toi, occupe-toi des repas. Vas-y, go vendre, les gars, je vais vendre, on va que vendre, là. Non, voilà, Omega et Loïc, allez vendre, moi, je m'occupe de ramener du stuff pour les repas. Flo, il répare. Le crâne particulier, il se vend à la vendeuse à de crâne. À la meuf de crâne, ouais, et ça vaut super cher. Bah on va voir ça de suite. 10 000 moi, un jour je me suis fait 15 000 avec. Ah ouais? Ouais. Moi je crois. Hein. Ah ouais. Mais... Je prends des barils et les boulets là. Ouais ouais mais t'inquiète. Vendez, moi je m'occupe des repas avec Flo. Flo, je te mets du bois dans les. Je te mets du. Ils ont coulé? Non, ils font le tour de l'île. Flo, je te mets du bois dans les barils de bois. Ah, t'es couillé. Enlevez l'encre. Okay, non, levez pas l'encre, levez pas l'encre. Vendez. Ah. Bah, je sais pas. Essaye de vendre plutôt. Non, mais c'est pas ça, c'est que si on vend tout ce qu'on a à vendre. On est safe. Oui, ensuite, on se. Moi, pendant que vous faites ça, je suis en train de charger le bateau de boulets et de bois. Et une fois qu'on a fait ça, on va les tuer. Une caisse de boulets à l'avant, tu peux la prendre. Ils arrivent. Sur l'île et charger tous les boulets. Ils arrivent par le cul. Et on est mort, les gars. Mais non, on n'est pas mort, t'inquiète. Il y a Flo qui a la répa, je lui ai rapporté plein de bois. Oh, t'inquiète. Et c'est pour ça qu'on va y arriver. Avec Alex, on a déjà connu ça, avec Alex et Momo. T'inquiète, on va y arriver. On se prend un mégalocon blanc, on a plus de canon. T'inquiète pas. Attention, ça tire. Mais non, mais j'ai récupéré un parchemin de merde. T'as encore du bois, Flo? C'est bon. Ouais, ça va, j'arrive, j'en ramène. Les gars, mais non, t'inquiète. Je me suis pris. Oh là, je me suis pris un boulet en croquant la tête et j'ai mal. Tant qu'on répare, ça va aller. Tant qu'on coule pas. Ah ben là, on a pas l'angle pour tirer, les gars. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On tirera après, on les détruira après. Pour le moment. Ah oui, ils ont la deuxième cave qui est en train de se remplir. Je suis en train de mettre le feu sur leur bateau. En fait, ils écopent pas en fait. C'est ça qui est cool. C'est qu'en fait, quand on fait quelque chose, en gros, on aurait dû garder le coffre de rage et le remettre sur leur bateau. T'inquiète, j'ai allumé leur bateau là, il flambe. Je vois. Ça va aller, ça va aller. Aussi, mais... canon gauche, canon à tribord, à gauche. Je suis Franky. Pourquoi elle me donne.
une pièce de bleu de canon, mais j'ai pas ça de va, mon cœur. Les gars, à bord canon, les gars. Ouais, j'y vais. Ah, mais ils ont bloqué pas. Les canons. Ils ont keblo les canons. Hop. Hop, je t'aide à réparer, Flo. Ça commence à devenir chaud là, niveau réparation. Mais je t'aide, t'inquiète. Il n'y a pas de trou. Mais on va les niquer après, vendez, t'inquiète, Omega. Là, depuis tout à l'heure, on tient, on est tranquille. Hein. Il y a quasiment pas d'eau dans notre bateau. Ils nous font deux trous à chaque passage. On est calme. Décaille, go prendre de l'eau, go se propulser, prendre de l'eau et mettre dans leur bateau. Ça va être réglé en deux secondes. Ah, on peut faire ça aussi. Ouais. C'est plus économique. Et il faut faire quoi? T'inquiète, toi continue de faire ça, Loïc continue de vendre. Attends, ils ont fait le tour là, je vais essayer de les pêcher au boulet. Et là, je suis un peu loin pour. Oh, il y a un trou. Bon, moi, je suis un plomb actuellement. Les gars, canon gauche. Vous mêlez. Ah. Ça va couler les gars, encore deux boulets de canon, c'est bon les gars. J'ai plus l'angle là. C'est mort, GG les gars, c'est bon, c'est mort. Retenez bien ou c'est mort par contre. Ouais, bah je vais venir t'aider. Ils sont morts derrière vous. Ouais. Ils sont morts à la queue du bateau, à la poupe là. Flo. Du coup ça y est, on a gagné. Ouais, on les a coulés. S'il y a plus de trous dans le bateau et qu'il y a plus d'eau, tu peux commencer à les vendre. À aider Loïc à vendre. Okay. Et nous on va ramener ce que. Omega, je vais chercher une chaloupe. J'ai vu une chaloupe près de l'île. Ouais. Ça va. Normalement la faute, tu devrais avoir regagné un petit peu des sous. Oui, vous avez juste gagné un petit peu d'argent là. Je suis à 127 000. C'est pas mal. Bon, le bateau est safe, les copains. Yes, nickel. Bah, aide Loïc à vendre. D'où le loot de Kay? Bah, normalement, il est juste derrière notre bateau. Bah, là, il remonte, là, je vois des trucs qui brillent à la surface. Ah, bah, vas-y, dès qu'il va. Tu viens avec la chaloupe. Va aller chercher un chaloupe, là, nickel. J'ai évité de faire la technique de lâcher remettre parce que avec 270 de ping constant. Et vous voulez pas qu'on déplace le bateau? Je le vois pas le loot les gars. Ah il est sur moi décrit normalement. Et sur toi, parce que là c'est des trucs, mais c'est que de la merde ça. Ça a l'air de la lutte, mais d'un bateau. C'est quoi que t'as pris, un crâne. Ah, dégage, je crois, il est sur moi. Ouais, il est plutôt sur toi, ouais. J'arrive. 999. Tout ce qui est crâne, c'est à la dame qui est. Qui est là, qui a les crânes. Donc tu rentres dedans là. Ici. Allez, crâne de Captain Skelet. Sur toutes les îles, quand t'as des crânes à vendre, souvent c'est à elle. Sauf si c'est des crânes spéciaux. Caisse de stockage et les gars, il y a 35 boulets et masse planche. Vas-y, Décaille, tu viens? Ouais, je suis en train d'arriver. Ah, t'arrives à balle là. Je chaloupe. C'est pas mal. Ouais, par contre, c'est pris grand à Kraken. Hein. Ça, c'est quand on amasse tout. Ouais, le petit enchaînement comme ça, il fait plaisir quoi. C'est la première fois qu'on bat avec Kraken. Donc, ouais, Kraken, d'accord avec vous, c'est la première fois. Ça va, pour toi, ça s'est bien ça s'est bien foutu, Flo. Première rencontre, écoute, première. Moi, je crois que c'était ma première vraie partie, tu vois. Bien galère, un boss, un kraken, un attends, bateau. Attends, t'as regardé si j'avais dans le chelou. Non, il y avait pas. C'était n'importe quoi. Et
avec ouais, le lag, moi je... Du coup, je n'ai même pas vu comment vous pétiez les tentacules de... Tu tires dessus. Et comment tu fais pour tirer au canon, sachant que c'est les pattes qui sont à l'intérieur qui viennent couper le bateau là? Non, c'est celles qui sont en dehors de l'eau là, qui... Mais là elle veut pas. Pourquoi maintenant elle veut pas ce crâne? Alors c'est lequel? Est-ce que c'est un crâne rituel? Ça c'est le crâne de ça en tout cas. Après vous pouvez le faire avec VD, c'est 30 minutes, c'est 30-40 minutes. En gros c'est à peu près une heure et après on a un Athéna. On a 8 fois l'autre qu'on a là, on se fait 100 000 au moins. Et on a un Athéna. J'ai pas compris. En fait, si tu veux les crânes rituels, ils servent à autre chose. Ouais, parce que c'est un peu chiant. Et pour mon crâne, j'en fais quoi? C'est quoi? C'est un crâne rituel que t'as? Ça dépend lequel c'est à la dame qui est à l'entrée de la taverne. Oui, ah, la taverne. Tout en haut. Alors, tout en haut. Tu regardes, tu es où, Flo? Bah, je grimpe. Tu as plus d'échelle? Ok, bah parfait, c'est Cyberpunk, ça. Cyberpunk, ça va être un bonheur hein, sur mon PC. Hein. Avec ta RTX, ouais. Ah ouais, RTX. Tu l'as mise où la chaloupe? Ah putain, ah ouais, tu l'as caché la chaloupe. Ah, putain, je suis keblo là. C'est bon. 153, c'est quoi que t'as vendu 153? Mais je veux pas m'asseoir. Putain. Ah, je suis bientôt 52 en vrai. Hop, non, ça devrait me faire passer 150. Ah, ouais, même pas. Bon, c'est officiel, je suis plus riche. Que jamais. Que jamais. Coup, moi aussi, à chaque pièce, moi, je suis plus riche que jamais. Ça va, là j'ai 1 950 000 là. J'ai vu quoi avec son coffre là. Putain, il nous reste encore des trucs à vendre de tout à l'heure là. Non. Eh oui. C'est incroyable. Bon, moi je vends tout ça et après je m'arrête les copains. Ça va. Ouais, moi aussi. Parce je pense que le bouquet aussi, ouais. Est-ce qu'il a été vidé ce coffre? Du coup, Alex, Omega, qu'est-ce qu'on en fait du pavillon qu'il a trouvé, Alex? C'est un niveau 3 de quoi déjà? Athéna Marchand. Bah, si vous voulez, on peut aller le vendre. Il faut aller au Reaper. Et on va en tirer 1000 ou 2000. Ah, c'est au Reaper Side Out qu'il faut le vendre? Ouais, c'est au Reaper Side Out. 1000 ou 2000, ouais, non, ça vaut pas le coup, c'est trop loin pour pas grand chose. Bah, et les coffres, on les vend à qui? Les coffres, c'est au monsieur qui est sur la plage dans la toile de temple. Ok. En face de toi. Si, ouais. Ce niveau, il y a une camionnette. Ah non. C'est sûr. Non, il veut pas. Il y a plus rien sur le. Attends, le c'est quoi comme coffre? Fais voir ce que t'as. Ça, c'est pas un coffre, pose-le. C'est une caisse de boulets de canon, ça. Si tu veux la vendre, il faut qu'elle soit remplie. Ah, d'accord. Pareil pour les caisses de fruits aussi, c'est pareil, il faut qu'elles soient remplies à fond pour pouvoir les vendre. Je vais chercher le boulet de canon. Du coup, Alex, t'as fait tous les... T'as fait tous les trucs du bateau pirate, là? Ouais, on a tout ramené, là. Alors, attends, du coup, ok. Du coup, si je vais dans événement, que je fais épreuve spéciale, on a dû se récupérer le truc du Kraken, là. Normalement, oui, moi j'ai eu le message tout à l'heure. Moi je vais dans la taverne Athéna pour ceux qui m'aiment, pour ceux qui veulent. C'est le. Pas, il s'appelle Et un monstre, c'est page 4. Flo, viens. Tout en haut. Allez. Ouais, tout en haut. Venez, on fait un orchestre, on joue tous dans l'instrument. Allez, j'arrive. Ouais, on l'a eu, le week-end. On a juste pas. J'ai juste pas vendu la viande de Kraken, maintenant c'est ce qu'il me manque à faire. Ah, mais j'en ai si tu veux. Ouais, non, mais je m'en fous, mais c'est vrai que j'aurais bien voulu. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Avant que je parte? Je fais votre petit truc et j'y vais, moi. Ça va. Same, same. T'es où? Tu veux jouer là? Monter tout en haut. Tu veux monter à. Non, en gros, genre par exemple. Dès que toi tu prends genre un accordéon, moi je prends telle espèce de truc qui tourne là. Loïc, tu prends une guitare et Mazor, tu prends un tambour. Non, c'est un chat ça. tu
t'es trempé, frérot. Ouais. Tambour, Mozart, je crois. Appuie sur I. Mais casse-toi, le chat. Appuie sur X. X, X, comme un coffre. Et I, encore. Nickel. Ok, je vais commencer à jouer après vous jouez, ok? C'est en même temps. Ok. 3, 2, 1. Attention Loïc, ça, il se passe un truc sous tes pieds. Ouais, je vais tomber moi. Oh, au revoir. Ouais, oh, tu descends avec la marche, c'est bon. Stylé. En gros, c'est la taverne des athées. Ça, Flo, ça en y sera dans quelques années. Nous, on aura le droit d'avoir ça que dans quelques années, c'est quand on sera pirate légendaire. Ah ouais, d'accord. C'est quand tu testes 50 dans toutes les réputations. Pour te dire 100 tryhards, j'ai mis un an à le faire. 100 tryhards. Après, il y en a qui font en une semaine. Hein, mais... En fait, c'est tout ce qui est quête. Tu sais, quand on ramène des trucs là aux marchands, quand on leur vend des trucs, t'as un niveau qui augmente là, t'as une barre. Ouais. Et ben, ça correspond à ça en fait. Tu as plusieurs réputations en fait, selon à qui tu vends. Quand t'as 3 de réputes, pas forcément que dans marchand, or et tout, tu peux faire aussi Reaper. Quand t'as 3 réputations qui sont level 50, tu obtiens le champ des légendes. Et quand tu obtiens le champ des légendes, tu peux Alex. Ouais. Okay. Alex, t'es ouais. Où? Ouais. Je suis au bar. Là, t'es quoi? Tu es au bar. Ah, derrière, allez, on se bourre la gueule dans l'au-delà. Là, il y a un truc à lire sur le mur, là, dans l'étagère. Ah. Ça. Ah, c'est un livre. Ah oui. Attends, même moi, je l'ai yes. Oh, promotion. Ah, légende de la mer 6. Moi, je crois que je fouille tout. Moi. Allez, on se bourre la gueule. Après, on peut se prendre une petite chope, là. On a bien travaillé, je trouve. À moins qu'elle veuille pas parce que c'est pas les gens. Ah si, c'est nickel. Ah, c'est pas elle qui me l'a rempli, ça c'est celle que j'avais sur moi, mais peut-être qu'elle voudra peut-être pas me la remplir. Pour ça, mais Nico, oh, c'est bon. J'ai l'âge de boire dans cette taverne, on ne rigole pas. Ah oui, donc en gros, je pense que... Ah, ça y est, je commence à tanguer. Tenancière, remplir ma shop, s'il vous plaît. Donc là, vous avez le roi des pirates que si vous avez fait le... Le comment ça s'appelle? Le voyage inaugural, vous l'avez vu forcément. Des lames, ouais. Le roi des pirates. Il est où? Il est juste là, on attend un petit bateau là. Attends, ouais, mais j'arrive pas à avancer. J'arrive pas à avancer. Viens, dégueule, viens. Attends, il est où le. Attends. À venir. C'est lui. Et en gros, là, je peux lui acheter des quêtes Athéna, mec. Ah, c'est. Ah, oui, c'est celui du début. Ouais, c'est ça. C'est à lui que j'ai acheté ta mère, des quêtes Athéna, allez. Oh putain. Normalement, vous pouvez pas, moi qui ai un bug. Ah, je crois que je me suis vomi dessus. Ah, moi aussi. Bon, bah, ça annonce une fin de session pour moi aussi également. Ah, j'ai vomi dans mon seau, alors attends, il est où, Flo? Je vais jeter mon seau dessus. Ah, je suis en train de vomir dans l'eau, l'expérience, c'est pas très très appréciable. Bah, c'était cool, en plus, on s'est pris un Kraken, c'était mon premier depuis. Non. Oh, c'était mon premier vomi. bravo. C'est son premier tour. En fait. Ouais, bon. Attends, je veux que je vide mon seau sur Flo là. Si j'arrive à le rejoindre. Tu veux faire quoi? Je vais. Alors attends. La promotion attends. De légende. Attends. De c'est quoi la promotion des gens de ce oh. Oh PD. Oh merde, tu m'as vomi dessus. C'est dégueulasse. Les copains, à bientôt. A bientôt le bookie. Bisous le live. Bonne soirée et bon courage pour demain. Ciao ciao. Ah oh, merde, je suis tombé dans l'eau. Moi aussi je vais y aller. Oh merde. Vous voyez, voile inaugural de la légende d'Athéna, quoi? C'est quoi ça? T'y vas, Flo? Ouais, je vais y aller aussi. Ça va, bah, des bisous, ouais, bonne ouais, soirée, ouais. Cas, bonne nuit. Cool. Bah ouais, bah c'est quand tu veux. Bah, bisous, les copains. Allez, c'est bisous, ça. Bonne soirée, ciao. Bonne soirée, moi aussi, je vais. Bonne soirée. T'y vas aussi? Allez, ciao, à bientôt, Omega. Et merci encore.
Et voilà, alors est-ce que je pars sur... Alors non, je vais pas partir sur une fin de session parce que je crois qu'il me reste... J'ai du Kraken sur moi. Et je sais pas si j'en ai déjà vendu. Je vais checker ça. Si j'ai pas de Kraken, je vais aller le vendre. Si je l'ai pas vendu plutôt. Je vais aller le vendre. Et après, on pourra finir sur ça. Alors. Je crois que j'ai deux morceaux de Kraken sur moi. Exactement. Alors, est-ce que j'ai déjà vendu du Kraken? Réputation. Je crois que c'est l'appel du chasseur. Cuisine, peut-être. Le champ surfant, grande gueule. Livré 10 spécimens de Kraken cuit. J'en ai livré qu'un. Donc, si je ramène cela, ça fera 3 de plus. Alors, je vais vérifier d'abord s'il y a un cipos pas trop loin, évidemment. Ah, ça sert à rien que je fasse ça. Je suis déjà dans l'eau. Où c'est qu'il y a un cipos? Car c'est un beau camarade, ce navire. Car c'est un beau camarade, ce navire. Ça coule pas, tout va bien dans le bateau, parfait. Alors, un cipos pas trop loin. Oh. Un cipos, ça? Non. Là, il y en a un. Il n'y a pas plus près. Ah, c'est chiant ça. C'est chiant parce que c'est pas à côté à côté en fait. Un peu plus haut peut-être. Ah, il y a celui-là aussi. Alors, c'est lequel le plus proche de moi? Ouais, c'est celui d'en bas. Bah, je vais aller à l'ouest. Alors, l'ouest, c'est... On est presque dans la bonne direction. Allez. Allez, faut que ça remonte un peu plus vite. Minuit 4. Allez, parfait. Allez, go. La barre n'était pas à droite. Un bon vent. Ça va être chiant. Ah, quoi que, peut-être que si on tourne, on aura peut-être un petit vent latéral. Hop là, du vent latéral, je pense. Attends, qu'est-ce que c'est? Attends, y a rien sur mon bateau, là, c'est pas le moment de me faire attaquer. Sérieux, un méga bouton. Tout seul sur le bateau, j'ai absolument plus une seule
Le seul boulet, je crois, je sais pas si j'ai du bois. Du bois, je crois que j'en ai peut-être. J'espère qu'il attaque pas. On est tranquille. Il attaque pas, il n'y a pas de raison qu'il m'attaque. Hein. Si je prends. Je vais passer, je vais essayer de passer par-dessus comme ça. On va esquiver les anciennes îles, la ville où il y a le bateau. On a un peu plusieurs lignes. Il me lâche pas, hein. Ça a gonflé les balles, c'est bien. Pas de nouvelles choses. Ouais, comme ça c'est. Oula, pourquoi je ça tourne le coup là. Ça va pas le faire. Ça passe. Si j'avais un peu trop rapide tout de suite. Éviter l'île peut-être. Ça va être juste. Hein. Oh putain, ça va toucher. Oh putain, mais il y a un squelette avec un coffre. En plus. Avec un boulet. Un tout explosif, je veux dire. Forcément dans la direction plus un qui va. Donc ça tombe, je vais vite vérifier que ça coule pas. Il y a un poteau mais c'est pas grave. Oh. J'ai un petit bug. Il n'y a plus d'eau. Parfait. Il y a des bugs là. Hop. Faut que je reprenne à l'ouest maintenant. Je crois que c'est l'île que je viens de taper là, que je viens de passer à côté, j'ai dû faire un tour. Non?
Ah non, non, non. Je vais prendre complètement à l'ouest. Tout droit vers l'ouest, du coup. Voilà, comme ça. On va patienter maintenant. Jusqu'au 6 postes. Et notre cuir le kraken. Allô? Allô? Encore là? Ouais. Je finis juste le... Je vais au 6 postes vendre le kraken et je quitte. Au 6 postes... Ah ok. Donc, je vais me faire un petit sub pour tranquille, juste pour regarder la POV que j'ai ratée là de 3 heures. C'est... Ah mais c'est tout à l'heure tu me parlais de la VOD en fait quand tu parlais... Ouais. Ah ok, non, je croyais que c'était par rapport au live qu'ils étaient en train de faire. Non mais il y avait un live qui avait... Et en fait, c'est Little Hope, tu sais, c'est Mana Fuda. Ah, je connais pas celui-là du jeu. Ok, vous avez fait une vidéo dessus même. C'est possible. Après, c'est vrai que ça fait. Avant, je les regardais toutes les vidéos, et là, de temps en temps, quand j'ai du temps, je les regarde, mais. J'en ai loupé un paquet. Ouais. Et la dernière qu'ils ont faite, là, sur Comedy Night, qui était pas mal aussi. Ouais, moi aussi. C'est trop bien les anecdotes marrantes. Ah, moi je suis plus un mec qui VOD que. Elles sont longues les VOD. Hein. Quoi? Attends, ils sont sortis. Ah quoi? Non, ils ont sorti, mais non, pas du tout. J'ai regardé une vidéo de Nvidia qui vient de sortir. Enfin, qui est pas du tout sorti. Une clé USB. Une clé USB? Une clé USB pour GTX Assist. En gros, ça te met. Ça améliore ton jeu. C'est une clé USB. Sérieux. C'est du troll. Quoi? Ah, c'est possible. It's fake because no one can plug in USB to the Echo Fire. Oh merde, je vais me prendre une île là. Ouais, c'est du troll, genre, c'est les boss ultimes. Genre, tu finis les boss en 2 secondes et tout. En même temps, je suis assez. En vrai, je t'ai donné combien en tout? En tout, je t'ai donné combien? Tu m'as fait 5 subs. Tu veux dire combien je t'ai donné? Abonnement de chaîne. Fait, de... 36, 13, peut-être. Moi, je t'ai fait 4,99€, 3,99€, 4,99€. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les dons aussi. Les dons, je les ai pas sous les yeux là. Les dons, pas du tout faire ça. Toi. Mais arrête, hein. Ça suffit. Ah bon? Non mais ça c'est... Garde ton argent. Ok. Si tu veux sub tous les mois pour toi, pas de problème. N'offre pas des subs à tout le monde. Ah non, c'est ce que je fais. Hein. En fait j'ai envie que t'es des viewers en fait. Je pense que c'est pour ça que je veux ça. Non mais t'inquiète. Ah, j'ai vraiment envie que t'es des viewers en fait. J'ai vraiment envie que t'es des viewers. Les viewers ils viendront s'il faut, mais... Gaspille pas ton argent, enfin, si tu veux te payer un abonnement de toi tous les mois, y'a pas de soucis, mais n'offre pas. C'est déjà fait, là j'ai mon abonnement, il est cool, moi, pour toi. C'est cool, merci. Mais ouais, mais arrête de faire des subs, c'est cool, hein, c'est merci parce que ça me fait plaisir aussi, mais. Garde ton fric aussi. Abonnement de 1 an, je vais bientôt le valider 1 an. Dans 31 jours, ça fait un an que j'ai ma
que ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube. Ah, la tienne? Ouais. Pas mal et tout, que je me suis fait 20 balles avec. Hein, quand même. Ah ouais, quand même. Ah non, mais j'avais 6 subs, hein. 6 subs différents qui étaient H24, ouais. Ça, c'est si cool, ça. C'est que... Attends, parce que je débranche mon micro. Ah non, ouais, je vais aller dans mon vidéo. Ce qui me saoule, c'est que en fait, toi, t'es là, en fait, tes lives sont plus cool, ils sont plus utiles et tout. Ouais. Ils sont mieux et tout. Et genre, t'as moins de gens. Moi, genre, vraiment, sur mes lives, c'était où j'avais 7 personnes, où j'avais 24 personnes H24. Ah ouais. Ah, mais vraiment. Ah ouais, c'était. Bah, c'est cool, ça aussi. Bah, après, ouais. Tu jouais à quoi? Tu faisais quoi comme stream? Je jouais à Gmod. Et en fait, Gmod, la particularité de Gmod, celle-là, je t'ai regardé, c'est bon, on parlait à cher. Et actuellement, 4,3 000 spectateurs. Oui, c'est ça, c'est des... après c'est des... tu jouais à des jeux qui attiraient aussi un peu plus de monde peut-être. Ouais, il y a pas beaucoup de gens et tout. Après c'est bien, mais il y a trop de gens quoi. Ben, c'est vrai qu'à regarder c'est peut-être moins... C'est bien joué, mais peut-être qu'à regarder c'est moins intéressant. Ah bon, moi j'aime bien. Bon, ça change pas, j'aime bien regarder aussi du CFC. Ouais, non mais c'est plaisant, mais je veux dire ça attire moins de monde. Enfin, je pense que tu aimes bien regarder du CFC quand tu joues à CFC. Contrairement à d'autres jeux où si tu joues pas au jeu, tu as envie de le. Tu peux regarder quand même, tu vois. Ouais. Après voilà, comme je t'ai dit, moi la dernière fois j'ai joué à. C'était quoi? C'était Pikmin, j'ai eu plein de monde qui venait le regarder, tu vois, parce qu'après c'est peut-être aussi des jeux qui sont intéressants à voir. T'avais genre combien de monde? Je vais avoir eu 8 ou 9 personnes quand j'ai fait mon live Pikmin. Eh ben il faudrait que tu trouves un jeu que tu stream dessus, et genre il y a vraiment masse de monde dessus. Genre faudrait que tu streames un jeu qui a beaucoup de monde, que tu fasses une commu tous les jours, que tu fasses un truc régulier, et après la commu ils te suivent. Genre vraiment, faudrait que tu fasses ça. Ah oui, t'es encore en live en plus. Ah ouais, là j'ai pas arrêté encore. J'arrêterai quand j'arrêterai de jouer. Ok. J'ai débloqué tellement de balles, je vais faire des cadeaux, regarde. Ça c'est, je vais te montrer tous les badges. Alors ça c'est les badges de Noël, du Nouvel An. Ça c'est le badge du train de la hype dernier. Ça c'est les badges dont je suis certifié Twitch. Et voilà. Est-ce que je t'ai envoyé dans le chat? Ah ouais, je vois ça. Le celui avec la capuche, entre la capuche et le début, c'est... Enfin, entre la meuf avec la couronne, c'est... ça c'est parce que j'ai fait des subs, des dons, des bits. Ouais, ça c'est des émotes de streamer, voilà, c'est ça? Du Nouvel An. Non, ça c'est du Nouvel An, ça. Ah ok, c'est fait, c'est Twitch qui te les donne, cela. La capuche, c'est parce que j'ai été le first dans train de la hype. Ok. Et après, le reste, c'est parce que je crois que j'ai été certifié Twitch. Parce que j'ai certifié mon compte. Parce que j'ai sécurisé mon compte. Ouais, voilà, c'est ça. Normalement, tu en as débloqué aussi une émote chez moi, je crois. Ah ouais, j'en ai... Attends, je vais prendre toutes les images que j'ai... Parce que je me suis fait sub gift aussi, c'est cool, ça. D'une chaîne YouTube d'une... Bah tu sais, d'une meuf qui fait du CFC. Et qui est partenaire sur ça. CFC en français ou en US? En anglais, en anglais. Il y en a beaucoup plus des streamers anglais sur CFC que français. Ouais. Sardoche, je me suis abonné aussi. Il fait beaucoup de Rocket League lui en ce moment. Ouais, il fait beaucoup de jeux. Et il est monté d'un coup en plus, putain, c'est hallucinant le niveau qu'il a maintenant. Je t'ai envoyé à peu près, j'ai pas fini encore. Ouais, vas-y. Je suis en train de t'envoyer à peu près tout ce qu'il y a en émote que j'ai des abonnements. Ah ouais, pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ah, t'as encore mon bateau. Ah, tu as une émote de banquille aussi. Ouais, attends, tu vois. Ouais, je viens de le sauver l'instant. Et à la fin, c'est la meilleure émote. C'est la tienne, c'est au nom. Ouais, c'est ça, c'est le nom. Et si tu veux, je peux te fournir des packs d'émotes. Ah non, bah non, malheureusement.
J'avais plein de packs d'émotes, mais malheureusement, je les ai enlevés. Mais j'aurais ah, mais les émotes, je les fais moi-même, ça. C'est des émotes que j'ai fait moi-même, ça. Attends, tu peux parler, s'il te plaît? Ouais, tu m'entends? Oh putain, mon casque qui pète des câbles. Il grésille de fou. C'est ton casque ou c'est ta co? Mon casque. C'est quoi ça, 2020 Glitchy? C'est stylé, ça. C'est quoi, c'est un truc Twitch, ça? Je trouve pas. Ah oui, c'est le. Oh, mais il est trop stylé, ça, ce printemps de notes. C'est un peu Twitch. Bref. En vrai, t'as arrêté ton live là, j'ai vu. Pas encore, pas encore. Ah, c'est moi qui bug alors. En jeu. T'as quoi comme jeu? J'en ai plein. Ça va être dur de te faire la liste là. T'en as beaucoup? Ouais, ouais, j'en ai un paquet. Après, j'ai pas énormément de jeux multi, mais j'ai beaucoup de jeux. Entre les jeux que j'ai attends, sur PS4, attends, sur l'Xbox. Allô? Ouais. Tu m'entends? C'est propre? Ouais. Ah non, je suis des grisines, moi, c'est chelou de fou. Moi, je vais t'envoyer le film. Mais tu as Dead by Daylight, t'as quoi? Dead by Daylight, peut-être. Ouais, je regarde sur Steam. C'est pas ton style, je trouve après. Ouais, après je joue un peu de tout. Hein. Moi tant que c'est pas des jeux de stratégie ou du tour par tour, je joue. J'ai essayé de trouver dans mes jeux. Pour être amené du monde, surtout. Among Us. Among Us, ouais, je l'ai. On y joue souvent, ça, avec les collègues. D'ailleurs, on y a joué la dernière fois, tu étais avec nous. Ouais, attends, ça te dérange mon micro, je le range, parce que là, ça commence à être chelou. Allô? Ouais. Nickel. T'es mieux? Ouais, c'est mieux. Alors, Far Cry, tu l'as, mais y a pas la stream, c'est pas ouf, c'est une histoire. C'est du tuer. Apex, t'es bien? Apex, je l'ai, mais j'ai pas joué encore. Faudrait que j'essaie avec des collègues. Ouais, tu m'appelleras. Ouais, si tu veux. Hein. Ah, un stream qui pourrait être bien. Ou tu pourras faire carrément un montage que je pourrais te faire si tu veux. Je pourrais m'envoyer le jeu, je pourrais te montrer, ça me dérange pas du tout. Surtout sur ce jeu là. C'est quoi? Human Fall Flat, tu l'as? Je l'ai sur Switch, celui-là, ouais. Parfois, si tu l'achètes sur PC, que tout le monde se l'achète, si ils veulent bien. C'est super fun. Hein. On peut jouer en multi à celui-là? Ah ouais, tu peux jouer en multi. C'est... 5, 6, 7, 8, 9. Ah ouais, c'est pas juste deux, je croyais que c'était que deux. Ah oui, c'est tellement ah. Ça peut être cool, ouais. Sympa. Cool. Phasmophobia. Non, mais celui-là, j'aimerais bien le prendre aussi. Il est sympa. Il a l'air sympa. Moi, je l'ai tellement bien. Le jeu est trop bien. Surtout, par contre, vous allez cliquer les gars. Ah oui, oui, enfin, je sais. Ouais. J'imagine bien, mais c'est ça qui vient. Tu es habitué. Après tu vas te rentrer dans les pièces en mode allez salut ça ouais, ouais après une fois que t'es habitué ça va. Après oui après que t'es habitué tu rentres dans les pièces tu sado après la seconde en revanche tu veux qu'ils viennent te faire du mal. Bon bah moi je dors y aller parce qu'il est 1h30. Ouais pas de soucis. C'est une bonne nuit. Bah moi aussi passe une bonne nuit, une bonne soirée, enfin une bonne nuit plutôt très, que tu vas te coucher. Très bonne nuit. Et à bientôt. Salut. Ciao, ciao. Salut, à une prochaine fois. Ça marche. Ah, celui-là, je trouve que j'ai jamais vendu ce poisson. C'est lequel? Écaille ancienne de fumée trophée. Poil du chasseur, écaille ancienne. Ouais, je crois que j'en ai. Ah, si, j'en ai vendu quelques-unes. Mais... J'en ai vendu qu'une. Et du coup, est-ce que le mégaloton, il m'a. Ouais, c'est bon. On l'a pris en compte. Mon grade 2. Ok.
Yes, nouvelle promotion. D'ailleurs, est-ce qu'on peut lui acheter des promotions? Nouveau titre et accessoire dans votre mal. Ok. Il vend quoi, lui, d'ailleurs? Canne à pêche. Et une shop. Il était bloqué la shop. Acheter des titres, attends. Et on s'arrête là. Ah, mais c'est déjà pas mal. Bon, et ben moi, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Omega, merci encore du coup pour tes subs offerts. C'est très sympa de ta part. Faut que tu arrêtes d'ailleurs d'offrir des subs, je veux dire. Si tu veux t'abonner pour toi, je te répète, c'est pas un souci, mais. Stop les gifts. Hop. Voilà. Je vais mettre le feu au bateau. Non, pas celui-là. Voilà, celui-là. Est-ce qu'il y en a d'ailleurs des boulets incendiaires? Yes. Hop, je vais prendre les boulets incendiaires. Ah, les atomes, il n'y en a pas. Ça devrait prendre assez vite. Voilà. Ça prenne. Ça prend pas si vite que ça. Hein. Là-dessus, on a rien. En dessous, peut-être. Non, ça pas pris en dessous. Propage pas tant que ça. Bang bang. Ah, ça y est. Ça a cassé. Ah. Et tout commence à casser. Ah. Toujours vous laisser mon téléphone. C'est important. Ça y est, ça commence à voler au-dessus. La pièce du capitaine, oui, non. Ça va pas tarder. Ça commence à s'embraser un peu. Ça y est, hop. De l'autre côté, ça va pas tarder aussi au niveau du lit. Chaud. Bah, ça a pas pris. C'est dommage, t'as pris. Je pense qu'on va aller se mettre à l'abri. Là-bas. Brûler. Bon, noyer non plus, mais. Hop. Omega, si tu vois ça, je suis désolé pour ton joli skin de navire qui brûle en fait. Mais voilà, c'est la vie.
C'est du bois et le bois ça prend feu, même sur l'eau. Bon, bonjour. Vous venez voir mon joli bateau brûlé? Ils vont pas m'attaquer quand même, ça serait dommage. Un bateau qui brûle si bien. J'ai envie de faire des trous. Non, ça va. Bon, bah sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt, une bonne nuit pour ceux qui vont se coucher, et à bientôt. Allez, ciao. Et avant de partir, est-ce qu'on ferait pas un petit host, hein? Je vais checker ce qu'il y a. Voir qui c'est qu'on pourrait host cette histoire là. Ouais, qu'on est deux, ça ferait un petit host à trois personnes. Joueur voté, le FCO a voté, et après je donnerai mon opinion. Mais voilà, on va dire que son historique donne la couleur quoi. Franchement, moi je trouverais ça trop beau qu'il nous sorte la meilleure game de sa vie et qu'il fasse taire tous les gens qui se moquent. Ouais, c'est ça, le meilleur chemin, je lui sors son vrai niveau, il enlève les masses. Sinon, il y a Arthur, gros gamer. C'est pour ça que j'ai pris la console. On va voir aussi si on trouve quelque chose à host, c'est intéressant. Avec les réseaux fibre 4G et 5G Bouygues Télécom. Bouygues Télécom. Non, bah je vois plus grand monde en fait de connecter. Tant pis, ça finira comme ça. Voilà. Allez, des bisous, ciao ciao.